Ouais, attention, ça n'est pas le pédiluve. Je préviens, ça n'est pas le pédiluve. Attention, ça n'est pas le pédiluve. Désolé, ça n'est pas le pédiluve. Merci à tous d'avoir retenu l'information. Bonjour. Comment ça n'est pas le pédiluve? Bonjour à tous, bienvenue sur ce stream. Voilà, où on va faire d'ici une heure la conférence THQ Nordique. Et oui, ça n'est pas le pédiluve. Oui, je sais, on avait fait des conférences dans le pédiluve. Mais c'est compliqué à vous expliquer pourquoi ça n'est pas dans le pédiluve. Voilà, bref. Ce soir, vous n'aurez que moi. Malheureusement, vous n'aurez que moi. En revanche, pour les fans du pédiluve, sachez que une émission arrive incessamment sous peu, dans 15 jours, avec moi, Seb et Karim. Du coup, le retour. Le retour devant une caméra. Bref, bonjour à tous, bienvenue donc ce soir, comme je vous l'ai dit, d'ici alors à 21h, en fait, en vrai, à 21h moins le quart, on va commencer la conférence THQ Nordique, puisque comme vous savez, on est actuellement entre... en fait, on a la Gamescom qui commence d'ici 10 jours, je crois que ça commence le 24, il me semble, le 24 août. Et on a il y a eu plein de conférences qui ont été espacées pour le Note E3. Donc là, on est entre les deux, en gros. Et THQ Nordic, ils se sont dit, bah c'est maintenant qu'on va faire notre émission à nous, parce que en vrai, tout le monde, quasiment toutes les boîtes le font un peu n'importe quand dans l'été. Donc eh bien là, c'est ce soir, donc THQ Nordic, éditeur d'ailleurs, qui sponsorise ce stream et cette conférence. Donc bon, en vrai, ils sponsorisent ma traduction, hein, tout simplement, parce que finalement, je ne vais rien de plus vous apporter que mes talents de traducteur et éventuellement mon expertise sur les quelques jeux. Ils font quoi, THQ Nordic? Des jeux vidéo. C'est, ça tombe bien, c'est le thème de la chaîne. C'est le hasard, quoi. Donc, on va voir ça. On va, avant la conférence, un petit peu voir qu'est-ce qu'on attend et on fera un débrief. Après, éventuellement. Voilà. Merci RGK, Xavinci, merci pour les 20 mois. Merci Zigzag pour les 12 mois. Merci Kaori pour les 20 mois. Merci Curatil pour les 9 mois. Fleflelux, merci pour les 13 mois. Cosmise, merci pour les 8 mois. Bonapartiste pour les 27 mois. Le vrai Edwin pour les 16 mois. Merci Dedetsama pour les 15 mois. Rano de Bergerac, merci pour les 3 mois. Pour fêter ça, conférence, exactement. Merci Nira du Kuj Mouzour. Alors, ça va pas prendre la soirée. Là, en vrai, ça dure 45 minutes. Ça fait de 21h à 21h. 45, donc 22h si on fait un débrief derrière. Donc les deux dernières heures, on fera autre chose. Merci John Smith, merci Benji, Sayoban, Tyriandre, merci beaucoup Shem, merci Zelgadis, Ecom, Drakengard, Arkbirds, Tikims, 76N141, merci pour les 49 mois. Je crois que t'es... Est-ce que tu es le premier à atteindre les 50? Je sais même pas. Merci Serge, merci pour les 23 mois, Papart pour les 13 mois, In Battle d'Alf Le Gris, merci pour les 24 mois. On s'attend à quoi ce soir? Mais je viens de le dire. Merci Ennis, Maxwell Sensei, Violin, Kleck, Ray Lake Jones, merci Lubart, Gobo. Merci Celiaiot Panda, merci pour les 11 mois, Ryuk pour les 25 mois, Stian pour les 5 mois, oui Terminator HS pour les 4 mois et Pop 50 pour le Prime. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bah je sais pas, peut-être qu'on se fera Endling, peut-être qu'enfin on se finira Endling. En vrai, j'ai hésité à commencer le Spider-Man parce que maintenant il y a le Spider-Man qui est disponible sur PC et je vais le découvrir parce que je n'ai pas du tout joué à l'époque où il était sorti sur PS4. Donc là, je vais le découvrir sur PC. Mais celui-là, je sais pas, je me dis peut-être que je le garderai plus pour moi. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait donc? On avait Endling, ça, et... je sais pas, j'hésitais à... Tout le monde joue à Cult of the Lambs, là. J'hésitais, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'ai vu plein de gens y jouer. J'ai vu des gens dire que ça ressemble à un jeu de gestion. Cult of the Lambs. Ah, c'est du Hades? Après, j'ai jamais joué à Hades, moi. J'aime pas les trucs... Attends, quand je tape culte... Ah non, j'ai mis Cut of the Lambs, et du coup il me met des agneaux découpés. Non, c'est pas ça. Ah, c'est culte, j'ai oublié une lettre. Ok, culte of the... Ok, d'accord. C'est bizarre le jeu, quoi. Merci Split Screen, merci pour les 11 mois. Geek Miku Fan, merci pour les 12 mois. C'est une fusion entre Isaac et Hades. Ah ouais, c'est pas pour moi. Let's go, c'est pas pour moi. C'est tellement pas pour moi. Merci Carter Noble, merci pour les 11 mois. Mais du coup, je comprends pourquoi tout le monde y joue, effectivement.
Il y a de la gestion. Bah je sais pas, je regarderai. Ah évidemment, Atomium a fait une vidéo dessus il y a 20 ans. Alors attends, à quoi ça ressemble? Je regarde des images. Bah en tout cas, ça, au début je me suis dit, tiens, ça ressemble à du Don't Starve. Mais visiblement pas du tout. Après, en vrai, moi je veux bien lancer le jeu pour essayer. Ça sera littéralement la première fois que je joue à un jeu de type Isaac. Par contre, ça va être trigger warning sur le chat. Ça va vous énerver. Merci SG Boss, merci beaucoup. SG Bro, merci pour le tier 1, Mister Dindon pour les 5 mois. Tintin Leblanc pour les 4 mois et Carte Noble, merci pour les 11 mois, merci beaucoup. Merci Picsou pour les 10 mois, merci beaucoup. Argument, sacrifier des subs et faire manger des excréments. D'accord, alors j'ai la phrase hors du contexte, c'était bizarre, mais je suppose que ça doit avoir un lien avec le jeu. Merci Dangers pour le Prime, merci David Ario, merci beaucoup. Bon bref, en tout cas, on a fini d'écrire le jeu en vrac, on a fini d'écrire le JDG. Et j'ai même commencé à écrire, j'ai la moitié d'un de ces jeux qui m'ont marqué de écrit. Donc voilà, ça va être productif, il va y avoir des choses à tourner là. Lance un petit Europa Universalis, bah oui, voilà, en 2 heures, un petit Europa Universalis. Hein. Non mais on verra. C'est vrai que tout le monde y joue, en vrai. Est-ce que je ferai pas le mouton? Vous avez compris, quelques alarmes, le mouton. Bref, est-ce que je ne ferai pas comme tout le monde? Merci Dangers, merci Cinéma Cinématique, merci beaucoup. L'âme, c'est agneau. Oui, mais oh, c'est pareil, un agneau, un mouton. Tout le monde sait que... Ah, oh, ta gueule. Merci Tangaro pour les 16 mois. Merci Jiokig. Merci pour la demande, merci. Tu vas aimer ces très gestions. Bah écoute, peut-être je lancerai. Peut-être je lancerai, on verra. Il faut un minimum de réflexes. Ah, c'est dead. C'est dead. Ah oui, il y a une faute dans le titre. C'est THQ Nordique avec un Q et pas avec un C. Est-ce qu'un modo peut me corriger ça? J'ai mis Nordique. Fun fact, les agneaux sont de petits moutons. Ouais, c'est vrai, on en apprend tous les jours. C'est fou. C'est comme, vous saviez que les chèvres, c'est des petits moutons. C'est des moutons, mais vieux. J'ai appris ça hier. Merci Dragofus, merci Zafringer. Pour les 11 mois, merci beaucoup. J'y sens plaisantant parce que c'est ce que je croyais quand j'étais petit, en fait. Je croyais que les chèvres et les moutons, c'était la même chose, à la base, quand j'étais petit. Merci Anasnake pour les 100 bits. Merci Bilrock pour les 3 mois, merci beaucoup. J'étais prêt à googler. Putain, il y a des gens qui ont cru. Ça veut dire que, franchement... J'y ai cru pendant 2 secondes. Je suis étonné que tellement de gens y aient cru en vrai. Merci Tom. Merci Tom pour les 5 mois, le professeur Fraise. Bon bref. Ouais, vous êtes des citadins. Après bon voilà, c'est vrai que vous êtes des citadins pour la plupart. Vous avez jamais vu un mouton de votre vie, d'une chèvre là. Tout ce qu'on vous a dit, c'est que vous les avez vus dans des dessins animés, là, vous savez juste que ça fait baisse et tout, et puis voilà. Bien sûr. Du coup, bah, je sais pas ce qu'on fera après. Je sais pas ce qu'on fera. On verra. Aucune idée. À part The Guild, est-ce qu'il y a des licences qui te hype? Alors, il y en a plein, mais je vais attendre qu'on commence à faire le débrief. Enfin, le débrief. Le post-brief, du coup. De la conférence. J'essaierai, allez, vas-y, je vais télécharger votre jeu, là, je vais essayer, je vais être nul et vous allez râler, et puis voilà. Mais après la conférence, du coup. Ça commence quand? C'est à 21h. Là, du coup, d'ici 10-15 minutes, on va faire un brief de la conférence THQ, de qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on attend. Parce qu'il y a quand même des, mine de rien, il y a quand même des jeux un peu attendus. Et puis voilà. Puis après, on regarde la conférence, ça dure 45 minutes.
Et ensuite, on ira jouer au jeu avec les agneaux. Je me suis dit, en fait, j'avais hésité en vrai à jouer à faire les Pipou Island là, mais j'y jouerai quand je serai quand il y aura personne à la maison, quand je serai tranquille et que je pourrai hurler. Merci Euphrosisme, merci pour les tirs, merci beaucoup. Le débrief est sponsor aussi. MV sera peut-être dispo pour le débrief. Ah bon, je sais pas. Le débrief, il est pas réellement sponsor. De THQ, si vous connaissez pas Destroy All Humans, bien sûr. Bien sûr. Destroy All Humans, c'est juste du jeu défoulage. Combien de temps va durer la conf environ? C'est un gros truc, merci. Ça dure 45 minutes. C'est court. Assez court. On sait qu'il y a 4 jeux dont ils ont annoncé qu'ils allaient parler. Et puis après, je crois qu'ils ont annoncé une dizaine de surprises. Mais après, bon, en général, les surprises. Après, en vrai, il y a des trucs dont j'ai rien à foutre. Hein. Il y a des genres des trucs, c'est des jeux de catch ou de motocross. Ça m'en bat les couilles. Hein. Merci, j'ai faim. Merci pour les 2 mois. Merci, Draxon. Merci, Euphrosim. Merci beaucoup. Merci, Fatouné, pour les 2 mois. Et il y a Call of the Wild. Ouais. On va le faire en OP. D'ailleurs, on m'a proposé une OP dessus. J'ai dit oui. C'est un jeu où on tue des animaux parce que c'est fun. Vraiment, c'est le jeu est moralement horrible. Darksiders 4, on joue le 4ème cavalier de l'apocalypse pour compléter la boucle. Ouais, c'est un truc, on en parlera tout à l'heure, mais Darksiders 4, c'est un jeu que beaucoup de gens attendent. On ne tue pas, on prélève. Mais oui... À chaque meurtre, si vous voulez, on essaiera de trouver des mamans biches et des bébés biches, et on ne tuera que la maman. Comme ça, ça fait Bambi, c'est beau, le film est beau, vous voyez. J'ai entendu parler du jeu de The Lord of the Rings, Return to the Moria. C'est celui avec les nains. Je crois que c'est celui avec les nains. Il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Il a l'air assez moyen en vrai, mais c'est complètement le genre de jeu que j'adore. Quoi. Un jeu de gestion où tu diriges des nains dans la Moria, non, ça a l'air trop bien ça. Merci Drobotic, merci pour le Prime. Ça s'appelle réguler la population. Oui, bien sûr. C'est ça. Merci Master Fier pour les 13 mois. Merci beaucoup. Tu vas courir les confs Xbox à la Gamescom? Ben, je me posais la question, en vrai. C'est vrai que j'ai vu que les conférences Gamescom, elles commencent le 24. C'est-à-dire quoi? C'est dans 2 semaines? Ouais, c'est deux semaines à peu près, je crois. Une, deux, ouais, c'est ça. Ça fait 2 semaines moins 2 jours. Je me posais la question parce que... Mais en vrai, est-ce qu'il y aura vraiment plus de trucs annoncés que pendant les confs de l'E3 qu'il y avait avant l'été? Pas sûr. Les trucs Gamescom, en général, c'est plus... Les trucs de la Gamescom, c'est souvent... En fait, la Gamescom, on dit souvent que c'est un peu la convention pour les professionnels. Ce qui est pas entièrement faux, en vrai. C'est avant l'E3, c'était vraiment la conf pour le public et la Gamescom pour les pros. Mais là, maintenant, c'est un peu équilibré, vu que surtout que l'E3 a disparu. Les conférences, c'est pas grand-chose cette année. Bon, il y en a eu quand même. Merci, Otona Shield, pour les 2 mois, merci beaucoup. Merci, Remtar, merci pour les 18 mois, merci. J'ai regardé un peu les streams et les vidéos. Ils ont présenté Immortal Empire aujourd'hui. Ah ouais, je savais pas. Est-ce que je vais faire un stream dessus à la sortie? Oui, très certainement, comme à mon avis, Alpha voudra organiser des trucs qu'on le fera avec lui. Est-ce que t'as pensé à courir des cons jeux vidéo avec d'autres streamers multigaming du style Mintos ou MV? Bah en vrai, moi je serais ravi de le faire. Tu sais, je ferais le truc, serait plus sympa s'il venait physiquement jusque chez nous. Mais bon, Mintos, Saint-Etienne, je sais même pas où c'est dans la France, mais MV, Paris, c'est pas la porte à côté non plus, tu vois. Donc, mais moi je serais ravi. Hein. Je
préfère, en vrai, je préférerais vraiment le faire en vrai, hein, clairement. Tu as commenté sur Hogwarts Legacy? Bah, on a eu la news là, comme quoi c'est décalé à début 2023. Je crois que c'est février 2023. Après, en vrai, tout le monde s'en doutait. Tout le monde. Enfin, voilà, le 16 février, ok, c'est ça. Non, bah oui, évidemment. Je veux dire, c'est le jeu. Genre, il y avait vraiment des gens qui croyaient que le jeu il allait sortir en 2022, alors qu'on est littéralement à 7 mois de la fin de l'année. Et que là, il n'y avait pas de date annoncée. Je veux dire, c'est évident que le jeu allait être décalé à 2023. Il y a zéro surprise. Merci Merolas. Merci Doc Castafolt. Merci pour les 4 mois. The Corbac pour les 21 mois. Merci beaucoup. Je voulais y croire. Ouais, ben non. Vous êtes gentils, les gars. Tant mieux qu'ils soient repoussés. Il y a trop de jeux qui sortent en octobre-novembre, déjà. Avec le nombre de jeux qui ont été repoussés... Je sais pas qu'est-ce qui sort encore cette année, hein. Voyons, attends. Sortie jeu 2022. Attends, qu'est-ce qui reste là, cette année à sortir? Sonic Frontiers. Ah bah d'ailleurs, on a une démo de Sonic Frontiers qui arrive... Enfin, une démo. Du gameplay en conférence. Je crois que c'est à l'ouverture. C'est la soirée d'ouverture de la Gamescom, il me semble. Parce qu'en vrai, la Gamescom, même si on le fait pas depuis le Pédiluve, peut-être on le fera ici, tranquille, entre nous. Et du coup, qu'est-ce qui reste à sortir, là? Bon, Two Point Campus, voilà, c'est fait. Marvel, c'est... Enfin, Spider-Man, c'est fait. FM Manager, on s'en fout. C'est quoi, après The Last of Us? Ah oui, c'est vrai que t'as le méga remaster de... The Last of Us qui est cool, hein. C'est vrai que tu vois les images, le remaster remake, là, je sais plus comment ils appellent ça, de Last of Us Part 1, ça s'appelle maintenant. Il est magnifique, mais ça reste un jeu qui est déjà sorti, quoi. Je regarde un peu Overwatch 2, j'avais oublié que ça existait. Ah, c'est vrai qu'il y a Midnight Sun. Midnight Sun qui est toujours prévu pour cette année, et ça c'est bien. Il y a Mario et les Lapins Crétins aussi, qui est toujours prévu. Ah, il y a Gotham Knights, que tout le monde pense que ça va être une catastrophe, mais moi j'ai envie qu'il sorte. J'ai très envie qu'il soit. Il y a Skull and Bones aussi. Skull and Bones de chez Ubi aussi. Que je suis. Il y a évidemment God of War, bien sûr. Évidemment God of War. Je regarde un petit peu. Blood Bowl 3. Ouais, qui a toujours pas de date. À mon avis, Blood Bowl 3, c'est mort. Et ensuite, dans les jeux où il n'y a pas de date, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, il y a un jeu. Le jeu Harry Potter, mais non, on vient d'en parler. Le jeu Harry Potter sort l'année prochaine. Hollow Knight, c'est cette année? Attends. Je le vois pas dans ma liste. Après, c'est le premier site que j'ai pris au hasard. Je le vois pas dans ma liste, Hollow Knight. Silksong, hein. Y a pas de... Enfin, je sais pas, y a une date? J'ai pas l'impression. Novembre, décembre. Je veux pas de date, hein. Je crois que c'est 2023, à mon avis. Pour la sélection, il n'y a pas de date, mais les rumeurs fin 2022. Il y a une règle, si tu as moins de 4 mois de la fin de l'année et que tu n'as pas de date, c'est fini. C'est mort. C'est faut faire ton deuil. Là, on est fin août. On est fin août. Septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a 4 mois. Il y a 4 mois avant la fin de l'année. Si un gros jeu comme ça, il n'est pas annoncé 4 mois avant, c'est mort. Alors après, certes, après, il y a encore la Gamescom qui arrive. Oui, on est fin août, on est mi-août, quoi. Il y a la Gamescom... On est mi-août ? Oui, c'est ça, on est mi-août. Il y a la Gamescom qui arrive dans une semaine. C'est la dernière chance. Si vos jeux que vous attendez dans 2 semaines, ils sont pas annoncés... De toute façon, en vrai, c'est avant la fin du mois. S'ils sont pas annoncés avant la fin du mois, c'est zap. Son of the Forest, c'est... Ouais, il est toujours prévu. Attends, Son of the Forest, je l'ai pas dans ma liste, mais normalement, dans mes souvenirs, il était effectivement prévu pour la fin de l'année. Kerbal 2, pareil, c'est finito. Merci Armtech, merci Jon Snow, Tonk, Paul Humain, merci Amptkits, merci Over, Cultra, Octo, Camiche, merci beaucoup. Darktide, oui.
Ça a été confirmé avant la fin de 2000. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, c'est vrai que pendant la conférence Xbox Bethesda, ils avaient dit que tout ce qu'ils montraient était destiné à sortir avant la fin de l'année. C'est vrai. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas de date, quoi. Merci à Jim Bololo, merci pour le prime, merci. Ah non, t'as raison. Ils ont joué sur les mots, ils ont dit sous 12 mois. C'est peut-être t'as raison, c'est peut-être ça en vrai. C'est dans les 12 mois, donc ça reporte à 2023. Enfin, du coup, ouais. Il y a un problème avec Herbal 2. Non, mais il n'y a pas de problème avec Herbal 2. C'est juste que là, le jeu, il y a zéro news depuis 1000 ans. Ça sent pas bon. Hein. Moi, je pense que le jeu est toujours en développement. Mais il faut voir que Herbal 1, c'était une petite équipe. Et c'est plus du tout la même équipe qui fait Herbal 1 et Herbal 2. Ça a complètement changé. Enfin, je crois que le studio est toujours le même. Mais le cœur de l'équipe a complètement. Ça a complètement changé. Donc. C'est moi ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, il n'y a pas plus de nouvelles que ça. Quoi. Tu connais Ixion, le Frostpunk dans l'espace? Bien sûr, il y avait une démo, j'y avais joué. La démo était très très bien. La démo était très très prometteuse. Du coup, Hogwarts, c'est mort. Hogwarts, c'est début 2023, ça a été annoncé il n'y a même pas 2 heures. Ah, ils sont super actifs sur YouTube? D'accord, parce que c'est vrai que je vois pas beaucoup de news passer, pourtant je suis abonné à leur Twitter. Merci Nirm, merci pour les 6 mois. Tu as vu qu'un Fallout remake du 1 allait sortir en 3D? Ah ouais? Non, j'étais pas au courant. Mais par contre, en parlant de Fallout remake, enfin, dans un jeu de style Fallout, c'est quoi le nom? Attends, j'ai complètement oublié le nom de la licence. C'est pas Desperado, c'est... Comment il s'appelle le truc qui ressemble à du Fallout Tactics là, chez THQ? On peut m'oublier, non. Non, c'est pas Westland. Non, c'est pas chez eux, Westland. Non, c'est... Ils ont Desperado 3. En vrai, ils ont Desperado 3 qui ressemble un petit peu. Mais ils ont... C'est un autre truc. Ah, mais c'est... Si, c'est... Il y a Jagged Alliance, ça ressemble un petit peu. Vite fait, quoi. Comment il s'appelle, le machin, là? C'est... c'est un jeu quand... Si, c'est Jagged... Mais c'est, je crois que c'est ça, c'est Jagged Alliance. C'est... Parce que là, Jagged Alliance... Jagged Alliance, il y a le 2 qui a 1000 ans. Le 2, c'est un vieux jeu, Jagged Alliance. C'est un des jeux préférés de Bob. Et le jeu, il a... je crois qu'il a 10 ans, un truc comme ça. Et là, je crois qu'on attend... Il y a le 3 qui est attendu, apparemment. Merci, Tenshirono. Merci pour le 11 mois. Merci de Nirm pour les 6 mois, merci beaucoup. Jagged Alliance, c'est si vieux que ça le 2, putain. 1999. Ouais, je croyais que ça avait 10 ans, ça en a 20, désolé, dans ma tête on est toujours en 2010. Bah du coup, attendez, on va voir ça un petit peu, voilà. Je vais faire mon travail. Parce que là, donc... Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence chez THQ Nordic? Hop, si je mets ça. Si on analyse le logo comme des grosses merdes, attendez. Si on fait de l'analyse de logo qui ne sert à rien, hein, c'est débile de faire ça. Et personne ne devrait faire ça, parce que c'est probablement de la fake news que je suis en train de faire. Mais là, on voit qu'il y a Destroy All Humans, il y a Biomutant, et il y a deux fois Darksiders, qui est dans le logo là, et là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un add-on? Ça, c'est... Ah, faisons pas ça. On va arrêter d'analyser ce genre de truc, là. Et en bas, il y a une moto. Bon, en vrai, ils ont un jeu moto... ils ont un jeu de motocross, je sais plus comment il s'appelle. Mais... OMG leak. Peut-être 2 DLC pour Darksiders. Non, mais de toute façon, en vrai, les gens, ils attendent le 4, bien sûr. Parce que Darksiders 3, ça a quoi? Ça a 5 ans maintenant? 4-5 ans? Non, mais en vrai, qu'est-ce qu'on attend chez eux?
Ça, c'est la liste de leurs jeux. Qu'est-ce que j'attends, moi, chez eux? Alors, déjà, on va avoir du Fight Forever. Je pense que c'est à peu près sûr. Fight Forever qui est le... C'est du catch. Moi, c'est du... m'en fous. Pas lui, m'en fous, hein, perso, le catch. On va avoir également quoi voyons, qu'est-ce que je sais plus ce qu'ils ont, j'ai lu tout à l'heure. The Valiant, qu'on va très certainement avoir, à mon avis, plus d'infos sur le gameplay, qui est très bizarre. Le jeu, c'est très difficile de voir ce que c'est. En gros, The Valiant, je vais vous montrer. Le mieux, c'est que je vais vous montrer. Ça ressemble à un jeu, ça ressemble à du RTS, mais c'est trop bizarre, j'arrive pas à définir... attendez... Donc là, c'est le trailer de gameplay. Donc, c'est vrai que quand tu vois le truc, bon, t'as un système de héros où t'as trois factions, si je comprends bien. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah c'est du RTS. Et pas du tout. Et j'arrive pas à voir, est-ce que c'est un truc où il y a que des héros, mais c'est du combat en très petite unité. J'ai un peu de mal à cerner le truc. Ouais, on dirait du Battlefield, on dit du tactical... Parce que ça, c'est bizarre, tu vois les PJ, enfin les joueurs qui jettent des flammes là, de cyprès sur les bâtiments, ça c'est typiquement un truc que tu vois dans Age of Empires. Donc... Bizarre. Du coup, je sais pas, du coup je suis curieux parce que je sais pas ce que ça va être. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... bon, Endling, on l'a fait. Je pense pas qu'on aura de news sur Endling, à mon avis. Faut pas rêver. Way of the Hunter, on sait que ça arrive bientôt, donc très certainement qu'on aura des images là-dessus. Jagged Alliance 3, j'en parlais justement. On aura très certainement, des news sur le jeu, qui est très attendu, hein. Enfin, par les gens comme moi. Peut-être après, la plupart des gens, ils en ont rien à foutre. Mais Jagged Alliance, ça, c'est vraiment un jeu que j'attends. C'est... au niveau... Comment je pourrais vous dire ? Si je vous dis Fallout Tactics, c'est du tactical. C'est une forme de tactical, Jagged Alliance. Ça pourrait ressembler à du... comment je pourrais vous... c'est vraiment du tactical, en fait. Hein. Du XCOM ? Oui, c'est vrai, du XCOM. Ou du Commando, peut-être, pour les gens qui sont un peu plus vieux. Mais c'est vrai, XCOM, si je... c'est ça. Ça serait plutôt du XCOM, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On aura évidemment des images du Destroy, le nouveau Destroy All Humans. Je pense qu'à mon avis, on va très certainement avoir le truc sur leur jeu de motocross. Là, je sais pas si c'est le ATV Legend ou si c'est un autre. On va avoir, et ça par contre, ça j'attends, parce qu'on a eu un trailer pour un jeu Bob l'éponge qui a l'air trop bien, mais genre vraiment dans la verve des jeux South Park. Il faut voir si l'écriture, elle envoie autant que pour les jeux South Park. Mais vraiment, c'est le trailer, je vais vous le montrer. Le trailer est vraiment trop cool. C'est rempli de tous les mêmes Bob l'éponge que t'as vu mille fois. Attends. C'est The Cosmic Shake. Je crois que c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et apparemment, on aurait peut-être du gameplay. Je vais vous montrer le trailer. Bon, alors c'est quoi? C'est la version PS4, là, que je vous montre. Est-ce que j'ai le temps? Oui, 36. Voilà. Alors, je vous mets ça en plein écran, ça sera mieux. En 4K. Et il a l'air vraiment sympa. Ah, il n'y a pas un jeu de baston Nickelodeon qui arrive aussi? Donc voilà, avec tous les mêmes ultra connus. Alors, ils ont un truc, ils adorent mettre des machins à DMC. Alors, c'est pour ça que je parle pendant très longtemps sur cette... c'est parce que si je le laisse, je vais avoir des problèmes. Mais ils ont aussi sorti un trailer pour... j'ai envie de vous en montrer deux secondes. Ils ont sorti un trailer pour le Destroy All Humans avec une musique de Rammstein par-dessus. Bref, voilà.
Donc c'est The Cosmic Snake et normalement, normalement du gameplay ce soir. C'est le trailer de... Ah, c'est quoi le nom de la musique là qui fait Namana in America, America. C'est quoi, enfin, c'est du Rammstein, on est d'accord. Après, je connais pas assez en métal, mais... Bah, c'est America, juste. Ok, super. Alors, je vous le mets une seconde, et après, je coupe. D'accord. Alors, attends, Destroy All Demand. Parce que c'est vraiment juste le... c'est vraiment littéralement la musique. C'est pas genre une reprise, nanana, nanana. C'est, on a fait la même chose, on a repris la musique, c'est du Rammstein. Allez. C'est celui-là. Voilà. Voilà, et on s'arrête là, bien sûr. Ça suffit. Donc Destroy All Humans aussi. Qui, avec plus d'infos. Et le jeu est un peu sympa. Le jeu est vraiment... Enfin, en tout cas, sur PS... Je crois que c'est... Si j'ai pas de bêtises, le premier, c'était sur PS2. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Qu'est-ce que... Comanche ? C'est vrai que Comanche... c'est un vieux machin aussi. Hein. Enfin, genre, bon, peut-être... Je sais pas si c'est la même licence. Mais je sais qu'il y avait, un vieux jeu qui s'appelait Comanche. Mais un vieux jeu hein, sur... Ah oui, la cam. Merde, la cam. Attendez, ça en est où? Est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il y a l'écran d'attente? Non, toujours pas, donc on a le temps encore. On a le temps. Donc Destroy All Humans, je dirais, on aura des trucs de plus à voir ce soir, à se mettre sous la dent. Expédition Rome, pareil, excellent jeu, mais bon, le jeu est déjà sorti, donc je pense pas qu'on aura quoi que ce soit ce soir, parce que bon, le truc est trop récent pour qu'il nous serve des add-ons ou des conneries comme ça. Biomutant qui avait qui promettait la lune. Hein. Biomutant qui promettait la lune. Alone in the Dark annoncé ce soir. Enfin bref, Biomutant, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était vraiment un genre d'open world immense avec une ambition de faire du Breath of the Wild. D'ailleurs, ça va être le truc c'est maintenant tous les jeux qui sortent, enfin tous les jeux qui sortent, ils sont en mode c'est, oh, ça y est, c'est Breath of the Wild. Donc là, Biomutant, bah, qui promettait de faire du Breath of the Wild, qui avait, en fait, qui est pas dégueulasse, hein, Biomutant, qui est pas dégueulasse, mais c'est vrai que il y a pas le sentiment d'exploration à la hauteur de Breath of the Wild, parce que tu te fais constamment agresser, dès que tu fais 3 mètres, tu te fais agresser, donc... Les flingues custom, surtout, oui, bien sûr. Ah, Alone in the Dark, ça a fuité? Ah ouais? En même temps, Alone in the Dark, c'était annoncé déjà. Attends, Alone in the Dark. Il me semble qu'il y avait déjà eu un truc à l'E3, non? Ah oui, un remake fuite de la conférence THQ Nordic, synopsis et première minute. Ah oui. D'accord. Ah non, ça avait pas fuité, non, je confonds avec, avec l'autre vieille licence, là. Flashback. C'était ça qu'il y avait à l'E3. Rien à voir, bien sûr. Ah oui, donc bah, Alone in the Dark ce soir, donc ça fait partie très certainement des trucs qu'on va voir. Victoria 3, mais c'est pas THQ ça, Victoria 3, si? Victoria 3. Parce que si c'est THQ, je me... Attends. Mais non, c'est Paradox. N'importe quoi. Non mais bien sûr que oui, Victoria 3, j'ai envie d'y jouer, mais c'est pas la... C'est pas la même boîte. Et du coup, bah ouais, voilà, à part Jack d'Alliance, où effectivement, j'espère qu'on aura des images. The Guild 3, le truc vient de sortir, donc à mon avis, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit. Il y a... attendez, alors, est-ce que c'est... Il y a un jeu que j'avais vu, mais je ne sais pas si c'est du THQ, il faut que je vérifie. Juste, il faut que je vérifie. Non, c'est pas du THQ. Non, c'est pas ça, ouais. Je vous en parlerai, c'est un jeu que je ferai quand il sortira, mais on en reparlera plus tard. THQ, c'est vivant, c'est THQ Nordique. The Dwarf, je sais pas ce que c'est.
Parce que j'ai pas eu le temps de tout regarder non plus, il y a quand même plein de jeux. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Parce qu'ils ont des petits jeux Star Wars par-ci par-là, ils ont du Vermintide évidemment, mais bon, je m'attends absolument pas à avoir plus de... à avoir un autre Vermintide. Évidemment, Ori, c'est pareil, je m'attends à rien. Il y a quoi, State of Decay? Bon, il y a du concept, mais je m'attends à rien. State of Decay, c'est très bien, hein. State of Decay, j'adorais. Moi, le premier, j'avais adoré, je l'avais poncé de ouf. Le deuxième était sympatoche, le troisième était épouvantable. Donc, pourquoi pas Ori 3? Parce que un nouvel Ori, en vrai, je pense que ça aurait fuité. En vrai, un truc aussi gros, je pense que ça aurait fuité déjà. Trop tôt pour les 3, oui, bien sûr. State of Decay 3 n'est pas encore sorti, alors peut-être je confonds dans ce cas-là. C'est peut-être le 2 alors. Parce que je sais que le dernier State of Decay. Attends, State of Decay. Le concept du premier était génial. State of Decay 3. Voyons, le développement bloqué... Ah non, il n'est pas sorti, ouais, effectivement, d'accord. Mais je confonds alors. Je confonds le 2 et le 3. C'est le 3 qui n'est pas sorti, et c'est le 2 qui était dégueulasse. Le 2 était épouvantable. Mais vraiment dégueulasse, quoi. Mais pourtant, le truc, c'est que je vois, c'est développé chez... State of Decay 3. Pourquoi est-ce qu'il est chez eux? Attends. C'est le 3, ça? C'est le 3 ou c'est un remake du 1? On dirait que ça veut dire 4. Year 1 Survival Edition. C'est le 1 ça, c'est un remake du 1, non? Attends. State of Decay. C'est le 1 celui-là, ouais, c'est le 1. Ah, ce logo là! Ce logo horrible, on dirait que ça veut dire 4 là. Il y a eu une refonte du 2? Ah, je sais pas. Le 2, je vous dis, le 2, moi j'attendais vraiment le 2. J'étais trop content quand le 2 il est sorti. Quand je l'ai lancé, j'étais dégoûté. C'était horrible. C'est une édition du premier, ouais, je pense. Tu l'as fait toi-même, la musique de fond? Non, je suis en train de la faire, là. Ça, c'est... regarde, si je lève les mains d'un seul... Ah, forcément. Mais c'est pour ça que je suis obligé de laisser les mains hors caméra, en fait. Merci Ladirian, merci Aristoxen, merci Robinet pour les 19 mois, merci Roulian, le sans nom, oblique tête, patate d'amande, Liam, Lias Nelson, merci beaucoup. Merci. Ça, regarde, ça c'est le saxo, avec les mains. Merci Virtuesque pour le prime, merci beaucoup. Le deuxième opus, c'est vraiment bien maintenant. Ah ouais. Peut-être je redonnerai une chance. Faut voir. Et il y a Super Power 3 aussi. Alors, bon, ça, c'est les jeux pour moi. Hein. je sais pas, il est pas sorti, je crois. Attends. Super Power 3. Alors, est-ce qu'il est sorti ou pas? Non, il est pas sorti. Hein, voilà, c'est ça. Super Power 3, ça, c'est les jeux... Ça, c'est les jeux pour les gens qui aiment bien la géopolitique. c'est un espèce de 4X. Attends, est-ce que c'est un 4X ou est-ce que c'est un Geopolitical Simulator? Je regarde un peu, attends. Donc visiblement, bon... Il y a des écrans, ouais, ça a l'air d'être un espèce de 4X un peu commercial, façon géopolitique activateur, mais en moins orienté sur la politique, quoi. Allez, boum. prends ça le Pakistan. Évidemment. Tu peux créer ton politicien, ouais, trop bien.
Merci Enderbolty, merci Lionel Babouin. C'est Duc d'Anjou, Yoel, Léviathan, merci beaucoup. La conférence est finie. Ouais, c'était moi. C'était moi, la conférence THQ, c'est moi, c'était moi. C'était vraiment littéralement moi. Non, t'inquiète, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé, et par contre, l'écran d'attente a commencé. Alors, je vais le mettre. Je vais le mettre en fond. Voyons. Est-ce que je prends la version... est-ce que je prends la version YouTube, ou est-ce que je prends... Ah, on va prendre... Alors, je sais pas s'ils ont une chaîne française, hein, je pense pas. Allez, on va prendre ça. En espérant qu'il n'y ait pas des problèmes de droit. Seb la suit de son côté, je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux qui intéressent. Peut-être un truc comme Darksiders, ça peut intéresser Seb. Il y a une version pour streamer. Ouais, j'ai vu qu'il y a une version... c'est la version tristesse. Il y a une version tristesse, effectivement. Mais j'hésite à la mettre, quand même. Après, bon, s'ils foutent du Rammstein et qu'ils éclatent ma chaîne... Ça me fera chier, mais en même temps, est-ce que ça me fera pas moins chier que genre si je mets la version sans sel où on s'emmerde parce qu'ils ont viré toutes les musiques, quoi. Parce que oui, ils m'ont filé, en fait. Il y a vraiment littéralement un truc, c'est une chaîne où il y a 28 abonnés. Attends, je vais m'abonner au cas où, voilà. C'est une chaîne où il y a 28 abonnés et c'est que pour les... C'est que pour les streamers, mais c'est triste. Prends pas de risque. Mais oui, mais c'est triste. C'est tellement triste. Putain, ça me fout le bad. Ça me fout le... Ah, je sais pas. Bah attends, je la mets de côté. Ça, c'est la version triste. Voilà, ça, c'est la version triste. Je la mets dans un coin, je mute. Et si jamais c'est la catastrophe, on switch. Comment ça marche les musiques sur Twitch? Bah, le truc c'est que en vrai maintenant, tu risques d'avoir des problèmes si jamais des gens reportent en live, machin, etc. Dans le pire des cas, en vrai, je ferai un cut rapide après le live, comme ça on dépublie le. Ah, quoique non, je pense qu'ils veulent le voir. Je sais pas. Ben, tu étais sur le chat, c'est ta responsabilité, dis-moi. Merci Carmen. Merci Jojo. J'avoue, au pire, tu la chantes. Bah oui, bien sûr. Ça mute la partie sous licence. Oui. Merci, Underbolty. C'est vrai que normalement, je suis en hashtag ad. Alors si je suis obligé de laisser une vidéo témoin, quoi. Merci, Namex. Merci, Misogic. Oui, et du coup, ça veut dire que les gens, ils vont venir voir après la conférence, ils vont venir voir. Alors, je compte sur vous pour être extatique pendant vraiment les 45 minutes. Merci. Merci, Namex. Est-ce qu'il y a du son? Il n'y a vraiment pas de son ou c'est moi qui déconne, là? Attends. C'est ça? Ils sont pas dit on va mettre une musique d'attente? Ah ouais, donc on attend dans le silence comme ça. Attendez, c'est pas vrai. C'est pas la version triste, c'est la version normale. Merci Little Yosha. Bon, je vous mets une musique d'attente. Merci Falazar. Merci pour les 8 mois. Ah! Non. J'ai cru, mais non, c'était ma musique à moi. Mais non. Au moins, c'est pas DMC, c'est vrai. C'est vrai. Mais par contre, ouais, s'ils commencent à foutre du Metallica sur le Destroy All Humans... Là. Merci, Oxa Olga. Merci pour les 13 mois. T'as regardé quoi récemment? Le stream de THQ, franchement, c'était trop bien, surtout les 6 premières minutes. Trop phobique de la musique. Non, regarde, j'ai un raccourci, je fais ça.
T'as vu, DMCA. Au pire, si, ça, si vraiment ça part en couille, je fais ça. Attends, non, c'est ça. Ah non, c'est là, c'est... Ça saoule le DMC, c'est pathétique comme mentalité. Bah désolé, hein. On se prépare, attendez, est-ce que j'ai ma censure? Est-ce que ma censure marche? Non, ça c'est pas le bon bouton. Ça c'était le truc pour applaudir. Tout est mélangé là, y'a plus rien qui marche. Merci Enderbolty pour ton message, merci. Merci fan du grenier. Merci pour les 20 mois, merci beaucoup. Dans THQ, que veut dire le Q? Ça veut dire jeu vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bref, du coup, voilà. Donc on se fait la conférence, on se fait le débrief, on voit ensemble ce qu'on en pense, et puis après, on joue. À 22h. Moi, perso, ce que j'attends le plus, le jeu Bob l'éponge, franchement, il a l'air un peu ouf. Et je me pose la question, mais attendez, c'est la question que j'avais soulevée tout à l'heure. Il y a un jeu de baston Nickelodeon, non? Est-ce qu'il est chez qui, celui-là? Nickelodeon, Fighting Game, je vais taper Fighting Game. Comment il s'appelle? Napoléon? Attends, c'est Nickelodeon All-Star, voyons. C'est fait par qui? All-Star Brawl. Je crois pas que ce soit eux. The Game... Fairplay Labs, Ludosity. Ah ouais, c'est un studio interne. C'est un studio interne. Ah, il est déjà sorti? Vous foutez ma gueule? Ah, il y a tellement bidé que personne n'en parle. Ah ouais. Ah merde. Ah, c'est triste. Je veux dire... Ah, il a déjà sorti. Ok, d'accord. Bon. Sage. Merci, Mifuré. Il est vraiment nul, pour le coup. D'accord, je sais pas. Mais ça, c'est parce que c'est pas un jeu THQ. Parce que si ça avait été un jeu THQ nordique, il aurait été excellent. Hashtag ad, bien sûr. Vous avez le lien qui s'affiche. Parce que d'ailleurs, en ce moment, s'il y a, alors que ce soit d'ailleurs pour The Guild 3, pour tous les jeux que vous allez voir, ou les jeux qui sont déjà sortis, en ce moment, il y a des soldes chez THQ Nordique. Vous avez un lien. Vous tapez la commande THQ Nordique. Avec un C, j'espère. Si c'est bien fait. Est-ce qu'on a du son? Toujours pas. J'espère que je vais pas devoir redoubler toute la conférence sans son, ça va être compliqué. Non mais c'est pas possible. Il y a vraiment... Vous avez du son? Vous avez... Dites-moi que vous avez du son et que c'est... Bizarre, hein. Merci Aurélien Sceau. Bon, si dans 29 secondes, il n'y a pas de son, c'est le moment où c'est la panique générale. Merci Maxone, merci Spectre, merci beaucoup. L'onglet est muet peut-être. Non, je crois pas. Dis pas ça. Pitié, dis pas ça. Merci Embraer, merci beaucoup. Allez! Alors du coup, il faut que je coupe la musique. Est-ce que ça va nous exploser les oreilles? Mais faut mettre le son là. Ah! C'est bon. Ah, le petit renard! Souvenez-vous, il y en a un qui est mort chez moi. Endling. Un jeu que je conseille qui est vraiment trop mignon.
En vrai, je vais réduire ma fenêtre qui est énorme. Un petit jeu tout à fait sympa qui est disponible sur Steam actuellement et qui est trop trop bien. Vraiment trop choupinou. Ah, je traduis. Hein. Ah, je suis précisément en train de traduire. N'oubliez pas d'extatique. D-exit. R-head. Je connais pas ça, c'est dans la verve de... Justement, on est en plein dedans en ce moment. On est en train de parler des évolutions du jeu de plateforme dans les cinématiques platformers. Ah, le Limbo, bien sûr. Perish. Sorti fin 2022, celui-là, sur PC. Ah! Il y a un petit peu... Ah, mélange Doom Skyrim... On le petit rat! Rat's Quest. Bien sûr, la quête du surmulot en français. Petit jeu d'aventure qui a l'air mignon. L'Étalonneur. Ah ouais, un jeu un peu façon comics. Qui me rappelle qu'un jour il faudrait que je vous parle de Comics Zone. Est-ce que ça c'est Wreckfest, non? Ah! Mais Wreckfest est déjà sorti. Bien sûr, alors Wreckfest, hein, j'ai joué il y a pas très longtemps, moi, de mon côté. J'avais envie de me défouler. Destruction Derby, hein. Le successeur spirituel de Destruction Derby. Hein. Là, c'est la version mobile qui va sortir. Ah! Les petits cafards. Évidemment, c'est une compile. Ce n'est pas un seul jeu, hein, bien sûr. Allez, montre-nous ça, là. Ah, on a vu une image de ce qui semble être du Jagged Alliance. Ça, on a envie de voir. Ça, c'est Vaillant, on en parlait tout à l'heure. Et salut à tous et bienvenue à la showcase de la conférence THQ Nordique. J'ai un nom et je suis très fier d'être ici avec vous. Alors accrochez-vous à vos bottes, ça va être un truc anglais. Alors lui il va être énervant. On va vous apporter plein de plein de super jeux. Et on va voir plein de super jeux, des infos, surtout des dates de sortie. Alors allez, on botte des culs. J'ai pas compris comment elle s'appelait, je suis désolé. Ah, ben bonne ambiance, hein. très bonne ambiance. Moi, j'adore ça, hein. Don't let them get inside, compère. They're not the good guy. Dusetto isn't cursed or blessed. It's a battleground. Maybe the dark man just likes. Ah merde, c'est The Animals. Ah, ça y est, il commence à me casser les couilles avec le DMCA.
Have you ever talked to a doctor about your condition? This is madness. Bon, attendez. Voilà, la version chiante. Attendez, attendez. Ah non, mais c'est pareil. Ah bah ça va, bah merci hein. Bon bah salut la chaîne. Alone in the Dark, bien sûr. On a vu, on savait qu'il arrivait, Alone in the Dark. Il avait été fuité. Ça fait 1500 ans, vraiment, le retour d'un monstre du jeu vidéo. Alone in the Dark is a horror game developed by Pieces Interactive. It's set in the Gothic American South. And players get to enjoy the experience. Alors, Alone in the Dark qui se passe donc dans le sud de l'Amérique. Hartwood family or Edward Carnby, the private investigator who knows surprising things about the paranormal. Alors, on joue Edward Carnby qui connaît des choses sur le paranormal. To reveal its dark secret, you must go back to where it all began. Et pour révéler son secret sombre, vous allez devoir retourner là où tout a commencé. A story that gazes deep inside our protagonist's haunted soul. Voilà, avec une histoire qui te plonge dans l'esprit torturé du protagoniste principal. But don't be afraid. Be very afraid. Mais ne soyez pas effrayés, soyez juste très effrayés. Ah, Destroy All Humans 2. Est-ce qu'on va avoir du Rammstein? Hold the phone. What are these freaks want? Crypto! They're Blisk! Blisk? Wait a minute. I thought we wiped the Blisk out. Donc, un jeu très... le jeu est très très con. Hein. C'est vraiment... c'est du Mars Attack en jeu vidéo. Hein. Wiped! Not for long. Ils veulent tuer ma chaîne. Attention, Blisk. I am Crypto Spiridium of the planet Furon. This planet is now a territory of the Furon Empire. And your asses belong to me. Donc voilà, c'est un jeu, c'est baston, c'est brutal, c'est con, ça tire, ça explose. C'est du plaisir. C'est vraiment juste débile, hein, le jeu, mais en même temps, c'est vraiment... Il y a un humour à la con, un peu à la Mars Attack derrière. C'est du fun, ça piou-piou, hein, voilà. Imagine a cockroach meeting with a lobster. Oi, enough already, you're making me queasy. Et alors moi j'ai pas joué au premier, mais Karim m'a dit que le premier Destroy All Humans était vraiment très très fun. I fear that most of our current weapons will be ineffective against the Blisk. Yeah, well, don't you worry your virtual little head, Cox. This time they're going down for good. You want to get the disease, you have to shoot the spores. Bonjour madame. Bring on the boom boom! You are so cute when you do that. Ah, c'est le délire des vieux films de martiens du début des années, enfin du début du cinéma, mais adapté en jeu vidéo, quoi, en gros. Quoi. Avec tout le côté kitsch qu'il y a avec, voilà. Avec les bombasses, les espionnes bombasses soviétiques. Si je me fais clem la chaîne par les cœurs de l'armée russe, j'aurai le seum. I think little Crypto just woke up. Ah, world premiere. Spaceman Realtor. Ça
vrai que graphiquement, comme ça, au début, tu pourrais te dire, ah, ça ressemble à du sport ou c'est un jeu de gestion. C'est vrai que ça, en fait, ça a le look, déjà, rien que quand je vois comme ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a le look d'un jeu de... Alors, qu'est-ce que c'est comme gameplay ? Des créatures bizarres ? On dirait du... C'est quoi, ils ont voulu faire du Satisfactory ou un truc comme ça ? Non ? On construit des bases ? Peut-être un espèce de jeu de survie... survie-gestion ? Ouais, survie, gestion, craft, un petit peu, ouais. J'ai vaguement pensé à Astroneer, effectivement. Space for Sale. D'accord. Nouvelle API. Fait partie des trucs qu'on n'attendait pas. Is an open-ended build-up simulation game. Voilà, donc open building, donc jeu de construction ouvert, simulation. Cheaply, by the way, at least compared to London. The mission is to build new houses for your eccentric, c'est de construire des maisons pour vos potes extraterrestres, de faire des repérages sur des lieux de construction possibles. Space for Sale can be played alone or in co-op gameplay. Donc ça peut être joué seul ou en coop. Et oui, c'est ça, vous êtes agent, en gros il explique que là vous êtes agent immobilier de l'espace et vous cherchez des endroits où vous pouvez installer de nouvelles maisons pour construire des maisons pour vos potes extraterrestres, etc. Ensuite vous devez relier les maisons entre elles pour les alimenter en courant et puis ça devient une espèce de jeu de gestion construction en fait. Gothique. C'est pas Elex, ouais, non? Surtout, n'hésitez pas à nous dire de quoi il s'agit. Ah, j'en connais, c'est Webedia. On a vu Cédric Page avec le fouet. Come on, let's head back. This is too dangerous. I go back to that piss hole of a camp. No way, man. Not until we find that stuff. Ou le bougie de l'araignée. Et là, en fait, c'est Starship Trooper. Ah, ça me... Gothique. Ah oui. Bonjour, de retour. Donc, restez fidèle à l'original, même en ayant modernisé les systèmes de gameplay. Gothic, donc, vous plonge dans une colonie de minage où vous aurez besoin de survivre. Prenez contrôle d'un héros sans nom. Et ce que vous faites dans la colonie va changer pour le moment absolument tout. Alors attendez, il faut que je fasse sortir mon chat qui arrête pas de miauler. Well, that's where you come in. Connard de chat. Ah, Jagged Alliance. But now, it's gone. After he was elected president, alors ça, ça me botte. It meant his vision for our country. But when they took him, they robbed us all of that dream. We need our home back. But I can't do it alone. This is not... Why would I want... This is promising. I've heard my father mention them.
Comme quoi, il faut toujours cliquer sur les pop-up. How may we be of service? I am Emma LaFontaine. I want my father back. Understandable, Miss LaFontaine. How would this work exactly? First step is to hire a team. Donc oui, alors Jagged Alliance, c'était quoi? C'était un jeu où vous recrutiez des mercenaires et puis après c'était vraiment du tactical à la XCOM en fait. Ils font pas mal de jeux comme ça en ce moment du côté de chez THQ, ils ont fait Expédition Rome il y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit très certainement une variante de ce moteur là. La suite d'un jeu qui est sorti du coup il y a 23 ans. C'est ça. Il y en a certains sur le chat qui n'étaient même pas nés quand le deuxième jeu est sorti. Donc, on ressort les vieux du placard, hein, là, entre Alone in the Dark, Jagged Alliance, Gothic. C'est vraiment... Let's go, Jagged Alliance 3. Just need to get the money. Jagged Alliance 3 combines turn-based tactical combat. Donc alors là, tactical combat par tour avec une notion de stratégie. Vous avez vu sur la carte générale en fait. Et le jeu se joue en coop. Donc vous dirigez un groupe de mercenaires. Et vous allez utiliser ces mercenaires pour sauver le président. C'est bien sûr si vous choisissez de suivre le contrat. So many of true fan favorites to select from. Jagged Alliance 3 is pulling on the classic heartstrings for true fans, bringing the franchise back to its. Ah voilà, on ramène la franchise à tous les vrais fans. C'était gentil de venir, madame. Et du coup, finalement, bon. Là, visiblement, ton pote, il va parler à ta place. Mais le meilleur est encore à venir. Ever since you took that damned scepter, you haven't been yourself. Ah, The Valiant. You brought us here, then abandoned the fight, abandoned your men, and even abandoned your vows. For what? So you're alive, brother. Alors là, je suis curieux parce que The Valiant, c'est assez dur, assez difficile de comprendre ce que c'est le gameplay. Donc là, on va avoir quelque chose de plus. Donc on sait que ça a l'air d'être... Il y a du combat un peu façon RTS, en quelque sorte. Mais avec des groupes de... Mais il n'y a pas vraiment de construction de bâtiments. Du coup, je saurais même pas comment l'appeler ce jeu en vrai. I see you have brought friends. Voilà, mode coop. Ouais, en fait, c'est un peu. Oui, non, vous avez raison, c'est ça. La meilleure comparaison, ça serait du Dawn of War 2 en fait. De ce que je comprends pour l'instant du gameplay. Donc, c'est-à-dire, vous dirigez une petite escouade. Je pense que c'est ça, vous devez diriger une petite escouade et remplir des missions, à mon avis. Squad game, ouais. Il y a Bob qui m'envoie des messages pour Jagged Alliance 3. Et lui, il est très fan du jeu, évidemment. Don't you think, after all I had to suffer and sacrifice, it puts you in my righteous path. You don't make me do this, Theo. The Valiant. Bah, un peu curieux malgré tout, parce que c'est difficile de définir concrètement. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de jeu avec un gameplay comme Dawn of War 2. Voilà, Tactical RTS, hein, ils appellent ça.
epic single player campaign. Et vous vous battez à travers une campagne solo épique. Is your game. And if online is your thing, you can also play cooperative. Ouais, si vous préférez faire du online, vous pouvez faire du mode coop, bien sûr. Or test your skills against others in 1v1 and 2v2. Vous pouvez vous battre en 1v1 et en 2v2 contre des gens en ligne. New Game Plus, a full roster of unique heroes, each with their own. Avec New Game Plus, il y a un roster de héros complètement différent. And you have a replayable experience for all types of players to sink their swords into, even you Uber pros out there. That said, I ask thee, can you confront your former brother in arms and find the missing relic pieces before he does? Ah, il te demande, est-ce que vous pouvez confronter vos anciens frères d'armes pour trouver une relique, une ancienne relique? Raise your sword and fight. Alors, valiantly. Voilà, levez vos épées et battez-vous vaillamment. Battle command uplink initializer. Please stand by. You have proven yourself loyal to me so far, General. Alors ça, on l'a vu dans le trailer tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? Our dynasty has waited long enough. Show me that my trust is not misplaced. Attends, c'est pas ce que je suis en train de croire. Ah non, Command & Conquer, sérieux ? Oh, trop bien ! Oh, Command & Conquer, le retour ! Ah, ça me hype de ouf ! Though they may be, they are still flesh and bone. Attends, Tempest Rising ? Mais c'était quoi? C'était du Command & Conquer là qu'on a vu? D'accord. Me s'y fait guaquer. Non mais ça a l'air d'être, ça ressemble à du RTS, on dirait du Command & Conquer. En même temps, classic real-time strategy games. Non, pas un. Combining base building with hard-hitting combat. Oui, voilà, bon, RTS, blablabla, là, on a plagié Command & Conquer. On a planet Earth ravaged after the world's first nuclear war. Donc voilà, après, sur une planète ravagée après la première guerre nucléaire. Oui, non, c'est vrai que pour Command & Conquer, c'est EA qui a encore les droits. On top of that, Tempest Rising features skirmish and multiplayer game. Tempest Rising. With a score-based matchmaking system. Avec ouais, un système de matchmaking en ligne, etc. Le truc, c'est que vraiment, je me suis fait avoir de ouf parce que la musique, c'est 100% du Command & Conquer. Cette grosse musique rock là. C'est, je suis désolé, on sait tout, vous êtes fait prank aussi. Hein. Your kingdom awaits. The royal court is eager to hear your orders. They've garnered many new skills to serve the realm. Our diplomats are standing by, Your Majesty. Use them. To seal powerful pacts with our allies. Our merchants have established the trade route you requested, sire. Ah, ça c'est, tout le monde essaye de faire son Crusader King slash Europa Universalis là en ce moment. Send them into anarchy. Heresy. Ça c'est les jeux pour faire 100 viewers hein, sur Twitch. To recruit the continent's greatest army and protect your sovereignty by all means. Ah, faut voir, en vrai. Ça me fait penser à ce jeu là, mais qui est un jeu en ligne. Ouais, oui, d'accord, oui, c'est complètement ça même d'ailleurs. Une espèce de mélange entre un Total War et un jeu à la Crusader Kings. And send soldiers to scale their walls, sire.
Ah, moi, en vrai. You ride with your knights to defend what was and the dream of what could be. Knight of Honor 2 Sovereign. Europe as the starting point for your legacy. Select a kingdom from anywhere in Europe. Donc prenez North un royaume Africa, n'importe où even parts of Asia. En Europe then, ou des parties d'Afrique ou même de l'Asie. As head of the royal family, you make all en tant qu'aide de la famille royale, like vous êtes en charge de toutes les décisions officielles. Clerics, diplomats and spies donc, voilà, espionnage, diplomatie, religion. Vous allez devoir propager votre pouvoir à travers toutes les terres. Est-ce que vous allez être un dirigeant sympa ou un connard enfoiré? Vous pouvez prendre directement la commande des soldats. Donc avec la partie tactique qu'on a vu, il y a une partie gestion exactement comme dans un Europa Universalis, mais en plus il y a une partie tactique à la Total War. Bien qu'un peu allégée, je pense. But none of the confusion and intimidation. Outcast 2. They called him Renegade, traitor, an outcast on two planets. But he helped us, and nobody else did. And un jeu que beaucoup de gens attendaient. Back, the Ulukai. Didn't expect your visit, otherwise I would have cleaned up the place. So, you come to hear the legend of the Ulukai. The Ulukai could fly faster than a Ventolon. He could travel. Outcast, le premier, j'y avais pas joué, mais il paraît que c'était assez sympathique. Of Yod-Gala, to the edge of the moon, ruled by Yod-Kai. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il me parle de Rukai. He explored ancient temples, unseen for a thousand cycles, and awakened their powerful mysteries. Nazoka, Kamenor, Nika. Oh, that's more like it. Weapons were as much a part of him as your fingers, my toes, his aim. Alors, le jeu est tellement puissant que le mec arrive même plus à parler au-dessus de la musique. Unbreakable. But as Mar used to tell him, fighting is half the battle. When saving a planet, Mar knows that a true hero must also gain the trust of its people. Outcast, la licence, elle date pas d'hier. C'est pas un truc qui est récent. Donc, si vous posez des questions sur le look du personnage qui est un peu avec son pull orange là, acheté à Decathlon, il y a une raison, hein, c'est que le héros il ressemble à ça, c'est tout. It's been over 20 years. Ça fait 20 ans. Genre redefining and award-winning open world action adventure. Voilà, ça fait 20 ans qu'ils ont créé ce jeu qui a défini Cut a Slade. Un bien grand mot, mais qui a participé à définir l'open world. Taking control of our hero. Voilà, prenez contrôle de votre héros. Et vous allez dans le monde alien de alors je crois que ça s'appelle Adelpha si j'ai bien compris. Your mission is to save the planet. Votre mission, c'est sauver la planète, rien que ça. With the oppressed Talans and fighting against the invading forces. En se battant contre les forces qui vont vous envahir. En essayant de préserver sa vie sauvage. Your freedom of movement is simply breathtaking. There's even voilà, votre liberté de mouvement est juste époustouflante. On l'a vu, c'est un open world. Bets are on that Outcast 2 will take the world by storm. As if once wasn't enough.
Breaking news here in Sledgehammer County. After a sharp increase of car racing activity in recent days, authorities now report a staggering amount of items and racetracks popping up out of nowhere. Alors qu'est-ce que c'est ça? What do you make of it? Well, Bill, it's like you say. Ça a l'air con et ça me plaît. Pieces of racetracks, along with all different kinds of items, have been emerging all over the county. And wait, I'm just getting word that these pieces now seem to be rising into the air, forming an ever-expanding aerial racetrack and eclipsing the sky above Sledgehammer. Bill, I've never seen anything like this. You have to wonder, who is behind this and where does it end? Is that a burnout? Oh non, la 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 la, DMC, la 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 la. Oh et puis merde, hein. Adieu. Adieu. Regarde la vieille pub de Air France. The sun in the sky. Bon, visiblement, on essaye de concurrencer Trackmania. Ça, c'est un jeu, ça va plaire à Zerator, ça. Ça, c'est un jeu pour Zerator, visiblement. Vraie création. Recreation. Ah ouais. Arcade racing game. Donc jeu d'arcade de course. We are as serious as a highway speeding ticket in Switzerland. There's 450,000 kilometers or 280,000 miles. Il y a 400 for races to go completely kilomètres de route legally mad across a pour devenir pour péter des câbles. 400,000 square meter world. That's avec un monde de qu'est-ce qu'elle a dit 4000 km carrés. Square miles. You can also choose from an arsenal of over 30 vehicles across multiple categories. Ouais, avec 30 véhicules différents, avec plein de catégories. Et vous pouvez évidemment construire votre course et la partager avec vos amis. Semi-safe travels. Joyeux voyage pas très safe. C'est marrant. Ah, on va pouvoir tuer des animaux maintenant, enfin. J'espère qu'il y aura des bazookas, moi. Alors, regardez-moi tous ces animaux qui n'attendent que de mourir. Allez! Le monde était en paix, quand soudain arriva l'homme. Avec son énorme fusil et ses cartouches pour exploser des crânes. Ah, créature majestueuse. C'est vraiment... Je sais même pas comment ça existe, ces jeux. Voilà, Way of the Hunter. On n'ira pas plus loin, ils nous ont même pas montré la mort de l'animal. Encore 4 jours à attendre avant que la saison de la chasse ne commence. You step in to take over your grandfather's small high-end meat business. Voilà, vous jouez le rôle de votre grand-père, vous reprenez le business de votre grand-père. Mais il y a votre rival qui a pris s'est emparé de la région tout entière. Et vous devenez propriétaire d'un espace de chasse dans ce jeu en open world. Voilà, les mouvements et les hordes d'animaux sont incroyablement sophistiqués. Ça vous garantit une aventure inoubliable. Ah, vous pouvez même jouer en coop pour assouvir votre soif de sang avec des amis.
There's an off-road vehicle for you to roam around with. Il y a même un véhicule avec lequel on peut rouler hors piste. Trop bien, j'espère qu'on peut écraser des animaux après les avoir tués, moi. Il va falloir faire votre stratégie pour pouvoir bien chasser des animaux, bien sûr. Ah! Alors bon, ça AFK, ça visiblement c'est des catcheurs. Moi la dernière fois que j'ai vu un match de catch, il y avait Hulk Hogan, moi. What's happened in here? AEW Fight Forever video game happened here. Apparemment, c'est des gens qui se battent. So, now what? Well, are you hungry? On second thought, don't eat that. But now, it's finally time to reveal AEW Fight Forever to our AEW fans at the THQ Nordic Digital Showcase. Voilà, donc en gros, c'est le moment de révéler le jeu où on va taper des gens. I will be me, the one legendary DMD, and you will be Adam Cole. On savait que ça allait arriver. Oh man, this game is awesome. I told you you would love it. Yeah. I told you. Am I ever wrong? No, never. No, I should never. Yeah. Whoa, look at that. This game is tremendous. Are there any weapons in this game? Are there any weapons? Ah, c'est un géchant le catch là. How easy this is to play. You didn't have to figure out a million freaking buttons. Okay. Even though I could have, because I'm a dentist. Oh, I know that. But I just picked it up today and started playing, and I'm already the best at it. Yeah. And career mode. Wow. Mini games. Wow. Really excited. Ah, c'est la première. Tell me about career mode. I can tell you that. N'oubliez pas d'être extatique. I lost my mind when I found out that AEW Fight Forever has mini games. Non mais après bon. You told me. Moi je suis pas le public, hein. AEW Fight Forever coming soon. Non mais moi je suis pas le public, mais bon, moi je connais, je veux dire, dans mon entourage, déjà il y a Panda qui adore le catch, après c'est des acteurs, hein, faut pas oublier. Wow. Well, at least I'm a good dentist. J'ai eu peur là, j'ai eu peur que ça traverse l'écran, que ça m'arrive sur la gueule là, la table. Sursauté. Heureusement, il n'y avait pas la caméra. Been offered a mere glimpse of what AEW Fight Forever has in store. This game delivers the unbridled energy and the high-flying, over-the-top personalities synonymous voilà, donc ce jeu délivre une énorme énergie et la personnalité hors du commun de tout un tas de catcheurs différents. AEW Fight Forever will be playable for the first time ever inside THQ Nordic's booth at Gamescom. Et voilà, et donc le jeu, on pourra l'essayer au stand de la THQ Nordic à la Gamescom en Allemagne. Stunfest. Ça, c'est les jeux du LOL. Hein. C'est DMCA ça? Ça c'est les jeux instant fun. Hein. Stunfest évidemment rien à voir avec la conférence, avec la réunion pour les fans de jeux de baston qui se passe à Rennes chaque année. Stuntfest World Tour hits bang on the sweet spot, where racing and extreme sports mix. Voilà, c'est quand la course et les sports extrêmes se mélangent. Stuntfest World Tour. Pouvoir faire de la compétition entre les uns et les autres dans un jeu d'élimination à base de cascades, qui inclut le nouveau mécanisme d'éjection. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour être le meilleur du meilleur? Cette femme serait beaucoup trop. We have a VIP hours special with only 500 exclusive seats via the stream playtest feature.
Et donc pareil, le jeu sera jouable à la Gamescom, je pense. Et vous allez pouvoir participer contre les créateurs et les créateurs de contenu en ligne. Stuntfest World Tour is ready for all of you all day. So, let's write stunt history together. Allez, essayons de chevaucher. Ah, bah te voilà toi, enfin. Allez. Allez. Told you. Look at all those snails the monster kidnapped. Look, it's Gary. So how do we save Gary without that monster snail seeing us? Gary is the monster snail! Huh? They grow up so fast, don't they? These massive amounts of candy bars must have given him a sugar rush. We can't take him back home like this. We have to cut off Donc, his candy supply vu, first. On a vu une cinématique, on sait pas ce que c'est le gameplay, on sait pas trop. D'accord, donc c'est de la plateforme, enfin c'est du... Pitié pas des patounes. J'espère qu'il y a une VF. Ouais. Ça surtout, j'espère qu'il y a une VF. Petit gameplay à la It Takes Two un petit peu, on dirait. Squidward, Manuga. Ah mais bon après il faut un peu de patoune pour vivre quoi. Quand il y a de la vie, il y a des patounes hein. Voilà, il faut avoir évidemment tous les délires liés à Bob l'éponge. Sachez que je n'ai jamais regardé un seul épisode de Bob l'éponge de ma vie, malheureusement. Et je sais que c'est très drôle, mais j'ai jamais pris la peine de regarder. Citizen in need, Karate Bob to the rescue. Jelly extras were very convincingly beating me up. Bon, je suppose que vous avez la ref, hein. Moi, je l'ai pas. Mais félicitations. C'est vraiment, par contre, c'est vraiment les jeux à l'ancienne. Là, c'est a l'air d'être un délire Bob l'épongesque avec plein de refs à Bob l'éponge, mais avec un mélange de jeux plateforme patounesque. Everything is possible in the infinite expanses of the cosmos. There might even be a reality where mayonnaise isn't an instrument. Il y aurait même une réalité où mayonnaise n'est pas un instrument. J'ai pas compris. Grant SpongeBob and Patrick wishes the two buddies unintentionally open up portals to strange wish worlds. Voilà, donc c'est Bob l'éponge et Patrick qui ouvrent des portails vers d'autres dimensions pour essayer de résoudre leurs vœux. 30 cosmic skins to rescue the universe of the brand new adventure SpongeBob SquarePants the Cosmic Shake. Meet all your favorite bikini bottomites from the series. Vous voyez tous vos bikinis favoris. Je peux la ref. Excusez-moi, je peux la ref. Ah, oh, wow. Wow. We made it. I mean, we announced so many games. How many was that? I have lost count. But let me tell you this. They are in my calendar and I hope that they're in yours too. Yep, I can't wait to get probing. Well, make sure you renewed your license and thank you so much. Oh, merci à tous d'avoir été là pour ce show. See you again soon. Goodbye. On se revoit Goodbye. Bientôt. Au revoir et merci. Ah.
J'ai pas compris. Ouais, à la fin, ils ont dit get probing. J'ai pas voulu traduire. J'ai pas voulu traduire, du coup. Cela dit, pas de date, en vrai. On a pas vu de date. Y a pas eu de date annoncée pour rien, en fait. Donc, alors, par contre... pas de nouveau, évidemment. Pas de Darksiders. Pas de... comment il s'appelle non, c'est Darkriders. Pas de nouveau Darkriders. Mais... très, très hype par le RTS qu'on a vu. Que j'ai confondu à tort avec du Command & Conquer, parce qu'évidemment, ils n'ont pas la licence. Mais... qui a vraiment l'air de regarder, de ressembler, de sentir, de tout. Il a l'odeur, le goût, l'allure, le visuel d'un Command & Conquer. Ça, j'ai très très envie d'en jouer. Tempest Rising, ouais. Vraiment très très hâte de voir ce que ça donne, Tempest Rising. J'espère que la sortie, c'est pas dans 1000 ans, par contre. Et puis, et quoi d'autre ? Jagged Alliance, évidemment. Jagged Alliance aussi. C'est du léger repompage de CC. En vrai, j'en ai rien à foutre. Hein. La licence CC, moi qui la repompe, j'ai aucun problème avec ça. De toute façon, elle n'existe plus. Donc, franchement, qu'ils y aillent à fond, au contraire. Hein. Qu'ils y aillent à fond et qu'ils retournent un peu aux bases du truc, pourquoi pas. Jagged Alliance, moi j'ai très très hâte aussi, parce que Jagged Alliance, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est le côté tactical à la XCOM, comme ça, c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. Donc, très très hâte aussi. Alone in the Dark, bien sûr, ils ont commencé par ça, ils ont ouvert par ça. Ça avait fuité hier, je crois. Ça avait fuité hier, Alone in the Dark. Donc, pareil, vraiment une très grosse API qui revient, quoi, du coup. Parce que Alone in the Dark, c'est colossal, quoi. Peut-être vous en rendez pas compte parce que le jeu est vraiment... c'est vieux, hein, Alone in the Dark. Mais... enfin, Alone in the Dark, c'est une énorme API de la fin des années 90, quoi. C'était peut-être moins... c'est sûr, c'était moins connu que Mario ou Zelda, tu vois, mais... Début 90 ? Ah ouais, dans ma tête, c'était en 95. Je crois que c'est... Attends, Alone in the Dark, c'est quelle année? C'est pas 95, genre? Alone in the Dark. Alone in the Dark. Bien sûr, le jeu par Frédéric Reynal, il est là. Je sais pas s'il bosse dessus, d'ailleurs. 92. Ah ouais, non, c'est 92. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je pensais que c'était 95. Il y a eu quoi d'autre? Alors, attends. Il y a eu quoi d'autre qui a été annoncé à voyant THQ Nordic? Est-ce que je vais trouver un résumé? Est-ce que je vais trouver... Ah voilà. Est-ce que la vidéo est déjà disponible? Oui. Parce qu'on a eu quoi là? Je vais mettre la version YouTube. 1080. On a eu quoi qui a été d'autre annoncé? Donc on a commencé, on a eu Alone in the Dark au début. Donc ça, c'était le gros machin. On a eu... on va se remettre... En vrai, on va se remettre... Ah oui, c'est vrai. Death Story All Humans, évidemment, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Il y a eu... Oui, Gothic. Ouais, Gothic. Le retour de Gothic. Alors, ils n'ont pas clairement dit... Ils n'ont pas... Le mot remake, remaster n'a pas été prononcé. Du coup, je sais pas. Donc, faut voir. Jagged Alliance. Voilà, évidemment. Le XCOM, comme je vous disais. Ça aussi, j'ai très très hâte, parce que moi, c'est vraiment, je vous ai dit, hein, c'est Jagged Alliance, c'est une licence que j'aime beaucoup. Qui me fait penser à tous les tactics qu'il y avait. Donc ça, c'est The Valiant, donc cette espèce de tactical RTS, en quelque sorte, un peu avec un gameplay à la Dawn of War 2. Et puis, il y avait quoi d'autre? Et il y avait ça. Moi, en vrai, c'est même pas le jeu qui était vraiment tant attendu que ça. Ni annonce, je suis même pas sûr qu'il avait annoncé. Mais ça, écoutez la musique, écoutez et dites-moi que vous pensez pas à Command & Conquer. En vrai, je me suis fait piéger parce que je me suis dit, ah, peut-être ils ont fait... tu voyais des mecs en rouge, des petits tanks
Les petits tanks, c'est le Node. Tu voyais des mecs en bleu. Ah, c'est le GDI. Je me suis fait piéger de ouf. Ça, je suis désolé, écoutez la musique. Écoutez la musique. Hein. Mais tout, tu vas pas me dire, tout est là. Mais attends, on va analyser ça image par image, les gars. On va analyser ça image par image. En vrai, c'est évidemment full volontaire. C'est clairement voulu. Parce que là, les tanks, ça, c'est clairement un tank du... ça ressemble de ouf au tank. Même les... comment ça s'appelle ? Les portails. Les portails, ils ressemblent aussi. La manière dont les bâtiments se construisent. La manière... Vous avez vu ? La manière dont le bâtiment se construit. La manière dont le bâtiment se construit, c'est clairement un truc de CC. Ça, c'est les trucs énergétiques. Regardez ça. Et ça, c'est... Et ça, mais attendez, ça, on est d'accord, ça, c'est une récolteuse, et ça, c'est du tibérium. c'est du tibérium, ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, honnêtement, allez-y. Allez-y, je m'en fous. Franchement, je m'en fous, je l'achète. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème que ce soit pas la licence. Oui, c'est du pompage à 100%. Et alors, en vrai, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre que ce soit effectivement pas un truc original ? Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre après ? Ah oui, alors ça... Au début, honnêtement, je vais vous dire honnêtement, au début, j'étais pas très hypé parce que je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, quand même, honnêtement, Europa Universalis ou même Crusader Kings, c'est quand même, la map, elle est plus belle, quoi, tu vois. Et en même temps, quand tu vois les dessous du truc de gameplay, parce que t'as cette map qui est clairement une map à la Total War. Il y a cette map qui est clairement une map à la Total War. Et le truc, c'est que Total War, c'est sympa, mais très très vite, en fait, l'économie est secondaire. Moi, en vrai, il me fait un peu envie, celui-là. Parce que là quand tu regardes, certes, la map générale, c'est pas hyper beau. Mais quand tu regardes la map de bataille, c'est la même qualité que Total War. C'est la même chose, tu prends les Warhammer Total War, c'est exactement la même chose au niveau de la map de bataille. Après, il faut voir la complexité, par contre, il faut voir la complexité des trucs de bataille. Il faut voir qu'est-ce qu'ils pourront faire de mieux, parce que ça, c'est du Total War aussi. Hein. Parce qu'en fait, là où c'est bizarre, c'est que ça ressemble plus à du Age of Empire que à du Total War. Les trucs de baston, là, vous voyez comment les sprites sont gros, ça, c'est plus du Age of. Faut voir comment ça interagit, tout ça. On dirait un espèce de jeu 3 en 1, effectivement. C'est quoi ça? C'est Knight of Honor, hein. Sovereign. Après, évidemment, on a Outcast 2, donc côté open world, qui est vieux, hein. Outcast, pareil, Outcast, ça a 20 ans. Ah oui, on avait l'espèce de truc bizarre qui ressemblait à Trackmania, là où tu fais tes propres courses. Way of the Hunter, qu'on fera normalement en OP dès mardi prochain. Donc, vous viendrez et on ira tuer des animaux ensemble, hein. Ça va être chouette, vous allez voir. On parlera du bon vieux temps.
Et puis, il y avait quoi d'autre? Ouais, celui-là, bon, je m'en fous un peu. Le truc avec les pads, alors ça, c'est pour moi peut-être... Bon, alors, on s'en fout, mais on est, quand bien même on est en OP, on a le droit de dire la vérité, ce qu'on pense quand même. Ça, c'est peut-être le truc où je suis un peu déçu, en vrai. Parce que Bob l'éponge... Le truc Bob l'éponge, je m'attendais pas à un jeu de plateforme avec des patounes. Honnêtement, j'aurais espéré peut-être un truc plus écrit, un truc avec des... un espèce de RPG, peut-être. Bob, il est déjà sur Way of the Hunter. Oui, bien sûr, il a déjà eu l'OP. Après, bon, ça a pas l'air dégueulasse. Hein. Tu vois, le gameplay, ça ressemble vite fait à... On dirait, là, ça ressemble à ce jeu-là, le merde, le It Takes Two. Ça ressemble à ça. Peut-être si... Mais le truc, c'est que quand tu vois ça, parce que ça, c'est le préhistorique Bob, machin, etc. J'espère que ça sera un jeu que je pourrais apprécier même n'ayant pas fait la série, en vrai. Parce que South Park, le truc qui est bien dans South Park, par exemple, c'est que tu peux réussir à apprécier le jeu même si tu n'as pas réellement fait la série. Mais si tu n'as pas vu la série, tu l'apprécies que plus. Là, je voudrais pas que ça soit juste un référence fuckfest. Ou juste si t'as pas vu la série, t'es complètement dépassé et t'en as rien à foutre, quoi. Mais Bob l'éponge prend les enfants pour des idiots, comment on peut trouver ça bien? Bah, je sais pas, en général, moi je me fie au... Tu sais, je pars du principe que s'il y a plein de gens qui trouvent que Bob l'éponge c'est bien, c'est que c'est probablement bien. Parce que c'est rare que plein de gens se trompent, quoi. Bah après voilà, et c'est, en vrai c'est ça, c'est tout le délire où tu ramasses des merdes là, pas le public. Et puis bon, après on a eu le jeu et le jeu WWF. Bon, là c'est pareil, hein. Peut-être vous aimez le catch, et je vous aime, hein. Des bisous hein, si vous aimez le catch, mais c'est vrai que moi ça c'est pas les jeux que je kiffe. Mais voilà, quand même, il y a quand même plusieurs jeux que j'attends, et ça c'est cool. Et ça c'est très cool. WW... Quoi c'est... Ah oui, non, ça c'est les pandas. WWE, c'est ça? Ah non, mais ça a changé, ça s'appelle plus la WWE. C'est AEW. Ça s'appelle... C'est comme ça, là, la nouvelle WWE? C'est AEW? D'accord. C'est pas W... C'est le concurrent. Ah merde. Moi, c'est... Désolé. Désolé, hein, je suis pas au courant, hein. Je savais pas, moi, qu'il y avait des concurrents hein, dans le catch. Pour moi, c'est du catch, quoi. Ah, attends, mais voilà, je suis pas fou. Il y avait bien un truc qui s'appelait WWF il y a longtemps, et c'était du catch. C'est pas que l'association avec les pandas. On est d'accord, je dis pas des conneries. Voilà, bon. C'est l'ancien nom. Oui, voilà, bref. C'est du catch. Ah, bon, du coup, bah, à quelle heure il est, là? C'est 22h. 22h. Alors, on avait dit que, éventuellement... Attendez. Merde, est-ce que j'ai mis... On avait dit que, éventuellement... J'ai essayé Cult of the Lambs, là, le jeu avec les agneaux. Est-ce que je fais ça? Bon, ça a intérêt d'être bien, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu des nouvelles sur Super Power 3. Moi, j'attendais des trucs sur Super Power 3, c'est dommage. Il est sympathique. On va essayer. Je trouve que tu as plus de barbe qu'il y a 2 heures. Ah. Bon, allez, vas-y. On va essayer ça. Attends, laisse-moi fermer. J'avais un Photoshop ouvert, là. Ok. Alors, voyons.
Oh là là. J'angoisse déjà. J'angoisse déjà. Je vois le truc, il y a marqué roguelike. Moi, ça me fait déjà angoisser. Ça va être horrible. Je vais être nul à chier. Ça va être horrible. Vous allez vous énerver. Je suis en train de... Je suis presque en train d'hésiter entre ça et Peepo Island. C'est vous dire. Mais en même temps, le truc, c'est que Peepo Island, je sais que je vais m'énerver. Là, c'est peut-être je vais m'énerver. Non, je vais essayer, je vais essayer. Vas-y, je vais essayer. Allez, c'est bon, tout le monde y joue, c'est forcément bien. Bon, attends, faut que j'achète le jeu. Attendez. C'est quoi déjà mon numéro de carte bancaire? J'ai oublié. Je reviens. Alors, Antoine, t'achètes pas de le jeu? Bah, il est pas là. Sinon, je lui ai envoyé 3 messages là, il a pas répondu. Alors. Ah merde! Bah attends, je suis con. Les frais de société, bien sûr. Je me suis trompé, j'ai failli mettre ma propre carte, n'importe quoi. Excusez-moi. Un moment d'égarement. Ça arrive. Je crois que ça arrive. Non, ça arrive pas. Ah putain, qu'est-ce qui se passe encore dans ta merde là? Oh là là, faut que je rentre ma carte, c'est chiant. Vas-y, attends. Oh. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Voyons. Ça arrive. Ah merde, tu es fou. Ah putain. Obligé de payer les jeux comme un sauvage, là. Pourquoi j'ai pas reçu de clé, là? Quelle honte. Je vais me plaindre, ma vie est dégueulasse. Je suis obligé de payer les jeux, quoi. Je suis influenceur, putain. Vraiment. C'est honteux, quoi. C'est honteux. Je vais tweeter ma rage. Échec de l'authentification, bah yes. Bon. Alors attendez. Changement de plan. Je pense que je vais demander à Antoine. Une erreur est survenue. Oh, tu casses les couilles. Tu casses les couilles, bro. Allez, 20 minutes pour acheter un jeu. On y est. Littéralement 90 ans. Heureusement, j'ai 8 cartes de crédit. Heureusement, j'ai 8 cartes de crédit de mes 8 sociétés différentes. Ce qui me permet de répartir mes impôts. Ok, c'est bon. Non mais tu vas l'acheter, ce putain de jeu, ou tu veux... Ah, quand même. Ok. Ça a intérêt d'être exceptionnel. Si c'est pas exceptionnel, si c'est pas littéralement le meilleur contenu gaming que j'ai jamais fait en 13 ans de vie sur Internet, où chacune des personnes qui ont dit que c'est bien, je les banne.
Enfin, d'abord, vous me remboursez le jeu et après, je les banne. Je propose une émote Antoine, bien sûr. Bah oui, ok, ça marche. C'est vendu. On va mettre une émote Antoine. De toute façon, il faut que je le fasse. Merci, c'est Snake. Merci pour les 5 mois. Merci, Parzivals. Merci, Cédric, Curio, Doco, Evers. Merci, Lucito. Merci, Richard Deloge. Merci beaucoup. Merci à tous les subs. Hein. Merci, Le Vrai Monoc pour les 19 mois. Merci. Hein. C'est grâce à vous que je vais pouvoir rembourser ce jeu. Parce que sinon, j'étais parti pour... Bah là, j'allais vendre des allumettes dans la rue, là, sinon. Là, j'aurais pas dormi. Hein. J'aurais passé littéralement la soirée à travailler là, à la mine, au charbon. C'est la faillite. Horrible. Alors, ça, il faut une manette pour jouer à ton jeu ou pas? Ah oui, c'est mieux. Ah, ma manette, elle est là-bas. Entre toi et Zera, va falloir arrêter ce troll de pauvre. Mais moi, Antoine, c'est un enfant de riche. Antoine, moi, je connais... Je sais d'où il vient. Je sais qu'il est né à Levallois-Perret. Littéralement, dans l'appartement à côté de chez Patrick Balkany. C'est un enfant de la haute. Alors que moi, mes parents m'ont abandonné dans un landau qu'ils ont jeté dans une rivière. Je m'en souviens, j'ai grandi à Gotham City. Alors, settings, voyons. Full screen, ça, on va se mettre en infini bien sûr. Graphique preset, on met tout en ultra, aïe aïe. Alors est-ce que le jeu, on se met... Est-ce qu'il y a du français? Est-ce qu'il y a du français? Oui. Oui, français. Alors, c'est littéralement, vraiment, sincèrement, mon dépucelage de roguelike. Parce que, de roguelite. J'ai joué une fois, mais ça comptait pas. J'ai joué une fois dans ma vie à Isaac. J'ai coupé au bout de 10 secondes. Parce que je détestais. Merci Ben Léo. Merci Modb. Alors c'est parti. Pourquoi il y a trois fois nouvelle partie? Gloire à l'agneau qui se verra offrir de grands pouvoirs pour libérer celui qui l'attend dans l'au-delà. Ah, c'est un truc qui parle de religion? D'accord. C'est pile dans mes cordes. Moi, je suis agnostique. Agnostique. Agno. Trop drôle. Du coup... Attends. On va voir. T'as meilleur à ce jour. En 13 ans. Je me soumets au sacrifice. Devant nous se tient... Ah, c'est un petit côté Jabba. Devant nous se tient la dernière créature de ton espèce, ami. Nous avons mis à mort toutes les autres. Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'hérétique qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité. Et la vieille croyance sera protégée. Donc c'est sur le mythe de l'agneau qui va à l'abattoir. Ça fait surtout penser à Don't Starve dans le graphisme. Approche, n'aie crainte, car bien que tu aies déjà rencontré la mort, j'ai encore besoin de toi. Ces stupides prélats pensaient pouvoir t'éloigner de moi et pourtant te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie, mais la vie a un prix. Tout ce que je demande, c'est de créer un culte en mon nom. Qu'en dis-tu? Ah bah absolument. Toujours partant pour pactiser avec le diable.
C'est un jeu Devolver. Ils sont balèzes. Ah, alors c'est là où on va taper. Alors attends, attaquer. C'est quoi le bouton A? Mais c'est pas du tout. C'est X. D'accord, donc c'est pas du tout ce qu'ils indiquent. Ah, il y a des frames d'invul et tout. Mais là, il y avait marqué A. D'accord. D'accord. C'est un peu comme Mario, mais on joue à un agneau. N'aie crainte, je m'appelle Rato. J'étais autrefois un porte-couronne tout comme toi, mais cette époque est bien loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous croyons dans mon propre monde et la vie croyance. Nous courons un grave danger. Et ma mission était de conduire en lieu sûr. La sortie se trouve un peu plus loin, traverse ces bois et je te rejoindrai. Très bien. D'accord, je reconnais ça, c'est Isaac. J'ai vu des gens y jouer. Ouvrir l'inventaire. Pièce. Ok. Ah! D'accord, et là, du coup, ça, c'est là où il y a le roguelite. Mais vous m'avez menti, vous m'avez dit que c'est de la gestion, bande d'enfoirés. Ça arrive, ok. Faut que je casse les trucs ou y a rien dedans? Ou on s'en fout? Je perds du temps? Ça c'est le tuto? D'accord. Ok. Nous sommes bientôt arrivés. Et hey, regarde, ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Sauf cette pauvre bête, il n'aura pas d'autre choix que rejoindre ton nouveau culte. Ah oui, on va faire un c'est un peu... c'est un peu comme dans l'épisode de South Park avec les animaux mignons. Mais j'ai pas... Ah oui, ils ont aussi des frames d'invul en fait, d'accord. Bébou. Vénère Satan. Ok. Accueillez votre nouvelle recrue. Oui, comment? Comment? Là? Non. Comment? Là? Joueur? Non. C'est de si, c'est là? Non, culte? Joueur? Non. La porte? Ah d'accord, ok. Oh c'est mignon. Nous voilà en sécurité, tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser les marques au sol pour secourir de grandes distances en un claquement de pattes. Pour secourir le temple, c'est un endroit idéal pour fonder un culte. Retrouvons-nous là-bas. Ah let's go. Trop hâte de fonder le parallélisme là. Merci Wizark. Merci Lucifer pour les 5 bits, Burton Ivor, merci beaucoup. Ah, le jeu est fini, c'est cool, merci. GG à tous. Alors, choix de la difficulté. Oh, normal, c'est bien. Mais alors, du coup... Ce lieu sacré qui était autrefois mien est désormais sous ta responsabilité. Cette vieille ruine est sous le point de départ de ton nouveau culte. Nous avons du pain sur la planche, commençant par enrôler cette pauvre âme et t'accueillir dans son nouveau foyer. Tes adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Ordonne... Ah ! La voilà, la gestion. Et du coup, il y a quoi là-dedans ? Rien. Je vous en prie, ayez pitié. Enrôlez la recrue. Choix de l'apparence, voyons. Ah, moi je veux un chat. Ah, le chat trop mignon. Oui, je veux ça.
croyance, clémence, ténacité. Moins 5 de fois lorsqu'un adepte est sacrifié, ce soit 15% plus vite une fois au repos. Moi j'aime bien ça. Choix de la variation, c'est quoi? Ah oui, le petit chat. C'est parfait. On va mettre, pan. Mineur, bûcheron, vas-y, bûche. Merci Shirin, merci pour les 3 mois, merci Wizard, merci beaucoup. Tandis qu'un train de l'aïe pas proche. Merci Rato. Mais Rato, qu'est-ce que je raconte, Rato, c'est le nom du mec. Je veux dire merci Lord Kane, pardon. J'aime voir ces deux trucs. Merci Midarian pour les 100 bits. Grâce à toi, notre culte dominera le monde, mais tes adeptes ne peuvent se contenter de prier pour vivre. Ils doivent manger, rassembler les ressources nécessaires et construire un feu de cuisine. Très bien. Alors, et c'est là donc qu'on peut construire des trucs. Comment ça marche? Voyons. Joueur, culte. Est-ce que c'est là-dessus? Ok. Donc là, il récolte du bois automatiquement. Mais est-ce que je peux le faire pour aller plus vite? Oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça, c'est sympa. Et est-ce qu'on peut vraiment tout récolter? Parce qu'en vrai, ça sert à quoi d'avoir des adeptes si je fais tout plus rapidement? Ah, c'est long. C'est long. Merci, Lucifer. Alors, et là, du coup, comment je construis des trucs? Voyons, comment je construis des trucs? Sur quel menu je dois appuyer? Ça doit être ça. Oui. Très bien. Ah, d'accord. Ok, et donc là, il faut que je le construise. Est-ce que je peux pas le mettre où je veux? Je suis obligé de le mettre, donc là je suppose qu'il va falloir que j'optimise la place en fait. On va le mettre là. Et construire. Nice. Vos adeptes ont besoin de manger pour survivre, vous devez leur préparer des repas. Si le niveau de satiété de votre culte est trop faible, vos adeptes pourraient mourir de faim. Vous pouvez trouver de la nourriture dans les donjons, privilégier les routes en passant par les lieux de récolte. Vous pouvez également construire une ferme en plantant des... D'accord, ok. Parce que, effectivement, là, je peux juste ramasser des baies. En vrai, ça marche aussi. Mais alors, la question, c'est, je suppose que les ressources qui sont là, une fois que je les ai ramassées, elles ne repopent pas. Ce serait bizarre. Parce que sinon, je n'aurais aucun intérêt à ramasser des baies, typiquement. Si, mais c'est lent, d'accord. Maintenant, nous devons construire un hôtel, mais d'abord nous devons avoir plus d'adeptes et collecter des pièces. Pour ce faire, il faut mener des croisades dans les terres des vieilles croyances. Ah, ça c'est un bon message ça pour les enfants. Notre protecteur, celui qui attend, a été emprisonné par les quatre prélats de la vieille croyance. On a une blague épouvantable dans le prochain jeu en vrac, sachez-le, mais j'ai fait pression pour qu'elle y reste. Chacun d'entre eux, c'est probablement une blague de démonétisation hein, d'ailleurs. Chacun d'entre eux est le gardien d'une chaîne qui le garde captif dans le royaume de l'au-delà. Ok, très d'accord, d'accord. C'est le genre rack sur les Allemands. Non, putain, c'est vrai qu'il faut que je le fasse, celui-là. Mais celui-là, j'hésite, parce que je me demande si en vrai, je le garderai pas pour un JDG. Enfin, ou un papy grenier. Donc. Alors. D'accord. Ah, le design me fait un peu penser à cette série-là que plein de gens n'aimaient pas, mais que moi, j'aimais bien. Le truc avec l'œil... qui se passe avec des enfants dans une forêt qui doivent récupérer 3 bouquins. Gravity Fall, merci. Merci Isuri, Scud, merci beaucoup. D'accord, et maintenant, évidemment, là, j'ai du...
J'ai des cœurs, donc ça veut dire que là, je vais commencer à prendre des dégâts. Ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis, bien sûr. Très bien. D'accord, et donc là, il va vraiment falloir... Donc là, on est vraiment les deux doigts dans le... On est vraiment les deux doigts dans le... Dans le côté roguelite. Je suppose que du coup, est-ce que c'est aléatoire comme un Isaac ? Est-ce que les items drop de manière aléatoire ou est-ce que c'est plus... Ou est-ce que là, peut-être comme on est dans un genre de tuto, peut-être que c'est là, c'est un peu plus... C'est pas vraiment procédural ? C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de rester, mais je sais pas si je dois le faire. Comment est-ce possible ? Agneau, toi, tout le temps, et pourtant, tu te tiens là devant moi. Quelle angoisse insupportable ! Cette couronne, sans pouvoir, oh non ! Mais je suis plus fort que toi, misérable Agneau, étant pas tant qu'il est encore temps. Ok, très bien. Ah ! Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Un écureuil. Meurs, écureuil! Ok. Et ça, c'est quoi? Ramasser. La patte de lapin augmente vos chances de trouver des coffres intéressants. Et est-ce que ça s'active? Est-ce que je dois l'activer? En vrai, j'aime bien. Merci Fussa, Rouad, merci beaucoup. C'est Selendil, Thibaut versus Arné, merci beaucoup. Il survit, Scut, merci Big One. Ça s'active quand tu le ramasses, c'est un passif pour le donjon, d'accord. Alors donc là je suis là, donc il m'a dit qu'il fallait que je passe par les zones de ressources, donc je pense que ça veut dire qu'il faut que je passe par là. Et d'accord, et oui c'est pour ça, là je peux ramasser de la nourriture, ok très bien j'ai compris. Bah en vrai, j'aime le peu que j'ai fait là, déjà, j'aime bien. Il est très dynamique, ouais, carrément. D'accord, et donc là, c'est le boss, je suppose. Je peux tuer des trucs là, non. Ça sert à quoi cette zone là? D'accord, est-ce que j'ai des coups spéciaux si je fais... Non, je peux pas faire de trucs qui tournoient. Un cœur vert. Je pense que ça c'est juste un truc qui booste les dégâts. Bon, pour l'instant, c'est un peu no-brain dans les attaques. Mais je suppose qu'après, il va y avoir des ennemis qui envoient des trucs de ouf. Ah, j'ai ramassé une herbe. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je taille les... Ou est-ce que l'herbe, on s'en fout? Alors, attends, est-ce que je vais par là? Ah! Gloire à l'agneau qui se verra confier les grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Voici les cartes qui m'ont montré plusieurs vies de cela, ou un événement à venir, j'ai tiré les cartes maintes fois à l'agneau, et pourtant c'est une première. Prends ces cartes, j'en tirerai une nouvelle. À chacune de nos rencontres, les cartes t'octroieront un pouvoir. Quel pouvoir, c'est un mystère. Les amants et l'œil sévère. Un cœur offert une promesse tenue, plus un. Est-ce que c'est un cœur max? Est-ce que ça c'est un cœur max, ou est-ce que... Parce que 10% de chance de critique, c'est quand même vénère. Merci Glurpy pour le sub. Oui, mais est-ce que ce cœur, en fait, quand je le prends, est-ce qu'il dépop? Si je perds de la vie, il dépop et il ne revient plus jamais? Ou est-ce que c'est un cœur temporaire, ou est-ce que c'est vraiment un cœur fixe? C'est un cœur en plus définitif. À la Zelda, donc. Ok. Merci Sandriane. C'est
C'est un cœur temporaire, faut savoir. Il y a des gens qui disent que c'est temporaire, d'autres qui disent que c'est fixe. Ok, d'accord. Infochat, c'est temporaire. D'accord. Bah dans ce cas-là, je prendrais plutôt le 10% de chance qu'au critique. Donc ça, c'est le boss. Demi-boss, ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire, pour que tu rendes autant des tiens. Je me sacrifierai pour votre cause. Détruis la couronne rouge. Très bien. Donc ok, c'est maintenant où il faut des réflexes, c'est ça? Ah, c'est dégueulasse. En même temps, c'est très Isaac. Est-ce que c'est fait par les mêmes personnes que Isaac? Pas du tout? D'accord. Merci Glurpy pour les 5 subs. Ah, il est trop mignon! Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivais fidèlement tous les enseignements. Alors, du rocher, choix d'appartenance d'adepte. Non, ça, je m'en fous. Ou du bois. Ah, prendre de la pierre. Let's go. Aller chercher des pièces dans le donjon, mais j'en ai pas assez là. Ah, d'accord. Et là, c'est le boss. Bloqué. D'accord. Et je fais quoi? Retour à la base. Mais moi, ça m'intéresse pas, ça. Et là, si je reviens en arrière, est-ce que je vais raffronter tous les monstres? Non, ça va, ils reviennent pas. Ok, donc il n'y a pas de drop-up, déjà, c'est bon à savoir. Parce que là, je voudrais revenir sur la carte, par exemple, pour prendre une autre... Allez, je peux pas. D'accord, donc une fois que j'arrive dans un truc, je peux pas revenir en arrière, ok. D'accord, et je vois qu'il y a un quart de cercle qui est allumé sur le truc, donc... C'est peut-être qu'il faut que je fasse 4 niveaux ou un truc comme ça. J'esquippe un coffre? Ah bon? Mais j'ai pas de nouveaux adeptes. Attends, si, c'est là. C'est impressionnant, tu as réussi à rejoindre quelqu'un de notre troupeau alors que c'est une nouvelle recrue. Ah oui, voilà, c'est là. Enrôlé. Choix de l'apparence. Je vais prendre le renard. De la couleur, bah couleur de renard. Hein. Cheveux de la variation. Oh bah pff, cheveux, ok. Tenacité, 75% plus. Ignore les rebelles qui voudraient l'influencer. Ah ça a l'air bien ça. On va mettre. Allez, agra. Active le Twitch Connect. Pourquoi? C'est en gros, vous pouvez intervenir dans mon truc Twitch? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Lui, il va faire de la pierre. Oui, d'accord. On va essayer. Ça doit être dans quoi? Connexion Twitch, ah oui. Alors, attendez, je change l'écran. Voyons, connexion Twitch. Ok. Autorisé. Après, c'est peut-être qu'il va falloir relancer le stream. Si c'est oui, c'est chiant. Les subs te donnent des bonus? Ah! Les viewers peuvent en effet intervenir, d'accord. Apparemment c'est ultra lent. Bah ouais, je vois ça là. Visiblement c'est trop cheaté avec. D'accord, merde. Ah, tes adeptes sont des viewers, du coup tu peux endoctriner ton chat. D'accord, oh c'est marrant ça, c'est cool. Cela dit, je ne sais pas si ça a marché. En vrai, parce que... là, an ono something wrong while happening to your cult. Ah oui, merde. Donc ça n'a pas marché.
Je réessaye. Ça m'a l'air un peu cassé quand même. Merci Zizi la top. Merci Ellipsis. Ellipsis, merci beaucoup pour les 19 mois. Vividi. Ah, ça a l'air un peu cassé. Hein. Je crois qu'ils l'ont désactivé pour fixer des bugs. Ah, ça m'étonnerait pas. Parce que là, c'est full cassé. Là, ça avance pas. Bah, je vais continuer le jeu en attendant, on verra bien. Alors, il me faut un... Oui, voilà, qu'est-ce que je dois construire? Un hôtel. Là, bah oui. Et je le mets là. D'accord. Et du coup, maintenant, ils peuvent prier. Mais on peut pas définir le nom de son culte. Hop la merde, excusez-moi. Je suis en train de tout péter. J'ai envie de tout casser aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mon Streamlab il est là. C'est parce que je voyais plus le nom des subs. Alléluia, tes adeptes peuvent maintenant prier pour toi. Voici un nouvel adepte assigné à l'hôtel pour qu'il commence à prier. Ensuite, récupère de la dévotion générée. Très bien. Ah, j'ai un adepte gratuit. Enrôlé. Laissez-moi rejoindre votre culte. Très bien. Bon, ouais, je mets le truc par défaut. Ah, attends, voyons. Génère de la dévotion 15% lentement. Ah, mais ça, si je peux... J'ai pas à choisir, c'est les trois, d'accord. Je croyais que c'était un truc que je vais choisir. Mais en fait, non, c'est juste il a les trois trucs. Ok, je comprends. Bah, vas-y, hein, prie. Donc, plus vous allez te prier, plus ça se remplit, plus ils prieront, c'est l'hôtel est plus loin. Débloquer des constructions via l'hôtel une fois que vous avez collecté de l'inspiration divine. Ouais, c'est chouette, j'aime bien. Alors du coup... Voilà, parce qu'il ramasse des trucs, il coupe des choses. Mais est-ce que ça veut dire que moi je dois les ramasser ou est-ce que ça se ramasse automatiquement quand il coupe des choses? Alors attends. Peut-être qu'il faudrait cuisiner, non d'ailleurs. Voilà, on va cuisiner tout ça. Voilà. Plein à manger, là. Ok. Collecter de la dévotion. Oui. Comment je collecte ta dévotion? Interagir. Donner du travail. Non. Non. Ah, il faut que j'attende. Mais c'est long. C'est le coffre au nord. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Mais c'est long. Ah non, ça arrive. Ça va. Voilà. Collecter la dévotion de l'hôtel. Ok, c'est bon. D'accord. Inspiration divine débloquée. Et maintenant, je fais comment? Ah, voilà. Et là, après, je choisis ça. Le cœur de votre culte permet de prononcer des serments et des rituels. C'est très sympa. Bien sûr. Et après, c'est quoi? Sac de couchage. Et l'autre? Parcelle agricole. Permet à un adepte de se reposer, il s'abîmera rapidement. C'est chiant. Et l'autre, planter une graine et laisser la magie opérer. D'accord. Ouais, c'est vraiment cool, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je suis en train de voir, là. Foi. Temple, le cœur de votre culte. Et ça se met où, ça? Genre, ici? Je peux le mettre en face? Là? Non, là. Ah, il y a les adeptes qui m'aident, du coup, c'est cool. C'est très cool. Le temple et le crucial, tu pourras prononcer des serments pour gagner en puissance, tu pourras y accomplir des rituels pour influencer l'esprit malade de tes adeptes. Merci Tarlik pour les 10 subs, merci beaucoup. Tu dois maintenir la foi de ton culte, si elle est trop faible, tes adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. Tes adeptes sont tout ouïes. Montre-leur à quel point, quel genre de guide tu veux être, prononce un serment depuis le temple. Allez, on va prononcer un serment. Alors, comment ça marche? Ah, d'accord.
Prononcez des sermons pour vous nourrir de l'énergie. Acceptez. Et du coup, là, il y a mes fidèles qui arrivent. C'est trop bien. La foi de vos adeptes vous permet de gagner en puissance. Très bien. Ok. Cœur des fidèles. D'accord. Merci Bellard pour les 7 mois. Il a l'air cool le jeu. Ouais, mais il est sympa. J'avais peur que ça soit trop comme Isaac. Ok. Impressionnant, tu as ça dans le sang, je commence à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de porte-couronne. Pour guider ton cul, tu dois adopter les des doctrines afin que tes adeptes t'obéissent. Retourne dans les terres de la vieille croyance, d'accord. Ok, je comprends. Le jeu, ça va être comme ça, du coup. Je pense que ce qu'on va faire, en fait, les gars, c'est que je vais jouer encore peut-être une demi-heure. Et peut-être après... J'hésite. Je suis en train de me dire, parce que j'aimerais bien essayer Peepoo Island aussi. C'est une espèce de curiosité malsaine, mais j'aimerais bien essayer Peepoo Island. Donc je me dis, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas de sauvegarde automatique ? D'accord. T'es sûr que tu veux rager avant d'aller te coucher ? Je suis sûr que je ragerai pas. Non, en vrai, il vaut mieux que je sois en forme pour Peepoo Island. Parce que là, ça va être tard, tu vois, je pourrais pas gueuler. Si je fais ça, je vais être obligé de faire du Peepoo ASMR. Ça va être de la rage sèche, en fait. Pour un dimanche, ouais, c'est plutôt un dimanche. Hein. Pareil que tu vas pas rager. Non. Non, parce que ça va arriver. Le voisin va revenir. Bon, ça va, y'a pas de voisin là, mais non, le problème c'est que j'ai du monde à la maison, quoi. Ah, ça serait pas 23. Là, c'est 22h30. Ça, c'est compliqué pour Peepoo, hein, 22h30. Non, je vais le garder. Je pense que je vais le garder pour un dimanche. Je le garderai pour un dimanche ou pour un soir de la semaine prochaine. C'est quoi Peepoo ? C'est du Alt-F4. Alors, du coup, c'est qu'il faut aller où, là ? Faut repartir par là ? Attends, est-ce que je peux prendre une autre porte ? Nécessite 3-9. Non, on peut pas. Parce que... Ah oui, et là, du coup, j'ai une nouvelle arme en début de chaque... Ok. Ah, là, celle-là, elle est plus lente. Plus mal, mais plus lente. Ah, et surtout, en fait, j'ai un petit temps mort, là, après chaque coup. C'est pas génial. Voilà, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Celui qui attend est satisfait de ton travail et souhaite t'accorder le pouvoir de la couronne. Très bien. Alors, maintenez Y pour viser. Ah non. Moi, c'est à partir de là où j'y arrive plus. C'est quand il faut faire plusieurs actions en même temps. Il y aurait eu que l'épée, comme dans Zelda 1, c'était bien. Mais là, c'est fini. La ferveur de lire est justifiée en foudroyant les hérétiques. D'accord, très bien. Je pense que c'est fini. C'est mort. Parce que l'âge, c'est bien, là. Bon, on va essayer. Allez, ça y est. Oh là là. Ça commence à devenir sérieux, là. Ah. Mais quelle difficulté. Je suis en normal. Attends, mais c'est déjà la fin ? Vous avez obtenu bougie sur pierre, une bougie posée sur une petite pierre. À quoi ça sert ? Et à quoi ça sert ? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute ?
Bon, je sais pas, je vais là-bas. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Attends. Ça, c'est pour se régénérer sa vie? Je suppose que si je vais là... Non, parce que moi, j'ai envie de faire ça. Il y a un... Je crois qu'il y a un adepte, là, j'ai envie de faire ça. Ah, c'est de la déco. Nous les avons combattus le mieux que nous pouvions, mais personne d'autre n'a survécu. Bois sombre, autrefois, nous y sentions en sécurité. Ben, tu vas vénérer Satan, ça irait mieux. Voilà. Accueillez votre nouvelle recrue, très bien. Trouvez des fragments de la pierre de commandement. Ok, donc là par là. Alors attends, voler la dévotion. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Et ça c'est les cartes. Alors. L'araignée inflige des dégâts au poison... De dégâts de poison aux ennemis que vous frappez ou 10% d'infliger un coup critique. Alors on est d'accord que ce n'est que dans la carte et une fois que je sors de la carte, je perds les bonus. C'est bien ça. C'est-à-dire, c'est par exemple là, si j'avais pris 10% tout à l'heure. Oui, d'accord. Des dégâts de poison que vous aux ennemis que vous infligez ou 10% d'infliger un coup critique. Bah ouais, c'est ça. Mais du coup, alors c'est par où? Ah, c'est par là. Ok. Ok, visiblement, ça n'est que dans le... Ça n'est... Oula. Tu choisis de tenter bêtement, jeune agneau, quelle imprudence. Je lis dans ton mensonge et je sens ta peur. La couronne rouge s'est éveillée à nouveau. Quelle créature indigne d'un tel pouvoir. Très bien. Donc, et quand, en fait, quand il dit taper, ça n'est que taper en physique. Oh là là, ah ça y est, je me fais saucer. D'accord, oh, ça assomme, le Y assomme, très bien. Tu as loupé, j'ai loupé des caisses. Ah, alors, ramasser la pierre de commandement. Il y a bien des siècles, ces terres étaient peuplées par les dieux et leurs nombreux adeptes. Que reste-t-il de ce royaume jadis propre? Hélas, c'est la nature des bêtes de ce monde d'oublier et les dieux d'être oubliés. Peut-être sont-ils partis, ont-ils plongé dans un sommeil éternel, blablabla, il y a des siècles, étaient les terres et des dieux, oui. Je peux pas tout prendre, voilà. Vous avez trouvé assez de pièges pour aller... Ok, très bien. Ok, donc là, c'est, on commence, il va falloir étudier les patterns, je suppose. Typiquement, eux, ils me sautent par-dessus. Oh là là, je suis nul à chier, putain. Voilà. Oh, mais c'est... Quelle galère. Tire un éclair de feu aveuglant équipé. D'accord. Et je perds quoi? Tire de feu. Et l'autre, c'est quoi la différence? Un effet clair de feu aveuglant. On va voir. Si je fais ça, c'est la même chose. J'ai pas compris. Cette fleur semble éternelle. Permet... D'accord. Il y a le tir de feu 1 et tir 2? D'accord. Ok, ça c'est le boss. Attends, mais je l'ai pété le truc? Ouais, cette arme, elle est vraiment à chier en vrai. L'arme que j'utilise là, elle est trop lente. Oh là là. Et comment je regagne de l'énergie au fait? Il y a un timing avec la flèche. Ouf. Oh là là, oh, c'est foutu. Ah, oh, c'est foutu. Ça va trop vite. Moi, c'est plus de mon âge.
C'est plus de mon âge, je suis désolé. Hein. Ah, et c'est le boss. C'est le boss et je suis... Allez, salut mon pote. Ah non! Genre, je perds des trucs. Ah, c'est pour ça que c'est pas des jeux pour moi. Ah, il faut que je revienne au début. Pitié, me dis pas ça. D'accord, tu ne crées rien car j'ai encore besoin de toi. Alors, on va voir où est-ce que je... Ah non, mais je reviens au tout début. J'ai envie de me pendre. Ah! Et quelqu'un a chié dans mon jardin. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Tu veux quoi? Prie-moi. Burke, cet endroit est dégoûtant. Eh ben t'as qu'à faire le ménage, connard. Et pourquoi ils peuvent pas faire le ménage eux? Adopter la doctrine. Ah putain. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle doctrine? Ça? Bah ouais, je prends ça. Ça c'est quoi? Fosse commune. Ah. Adopter la doctrine sur l'autel du temple. Ah, il faut que je construise un truc aussi. Un feu de cuisine. Ah non, un sac de couchage. Je le mets par terre. Je le mets là. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? C'est, il faut que je... Ah voilà, serment, couronne. C'est ça? Je sais pas ce que je dois faire. Bon, j'appuie sur des boutons. Silo à fertilisant, d'accord. Y'a pas un moyen de les faire nettoyer eux-mêmes? Parce que bon, je suis pas... T'as déjà vu le pape nettoyer la merde devant la basilique Saint-Pierre, là? Pour accomplir, il faudrait utiliser les os de tes ennemis, détruire leur squelette. D'accord. Il va falloir taper les squelettes maintenant. Ok, très bien. Ah, il faut des toilettes. D'accord. Mais je suppose qu'il n'y a plus rien à manger, en plus. Ah, là, il n'y a plus rien à manger, c'est la crise. Bon, du coup, il faut y retourner. Pitié, pas... Qu'est-ce que c'est? La dague, voyons. Et ça, c'est quoi? Invoque de puissantes tentacules. Ah, j'adore ça. Vas-y. Ah, d'accord, ok. Ok, je suis nul à chier. Je suis vraiment nul à chier. Par contre, l'arme, j'aime bien. Alors, une simple manière d'éclairer l'obscurité. Très bien. Là, du coup, il faut que je détruise. Faut bien que je détruise les. Ah! Soumets-toi au tirage des cartes. Révèle la carte. Hein? La carte? Bon, on s'en fout. Double les soins reçus. Il y a des soins. Révèle la carte. Bon, vas-y, je révèle la carte. Faut essayer. Et merde, c'est de l'autre côté. Mais non, il y avait un passage. Là, j'y suis pas allé. Ah! Ramasser. Double les soins reçus.
je prends tout. La porte de la mort. Ce qui vaut plus qu'un demi-cœur, tous les ennemis reçoivent 2 de dégâts. D'accord. Ah oui, d'accord. D'accord, vu. Ok, vu. Ok. Tentacule, c'est sympa. Par contre, vous avez un collier lunaire. Prémet un AD de Jan, mais jamais avoir besoin de dormir. Ça, c'est bien. Alors, je pense qu'il faudrait que j'aille là. Parce que là, il y a un nouvel adepte. Et ça, c'est bien. Ouais, je vais aller là. Le ver est avide, il se nourrit et se délecte de notre chair, mais c'est le prix à payer pour la sécurité. Pour elle, nous lui offrons volontiers tout ce que nous avons. En fait, c'est qu'il faut que je prenne l'habitude d'esquiver. Mais c'était vraiment... La meilleure arme, c'était quand même celle que j'avais au début. Oh là là. Après, au moins, quand je leur tape dessus, ça a l'air de les interrompre. Ok. Nettoyer les... Ah putain, je me disais, encore nettoyer des excréments, ça commence à bien faire. Ah, j'ai tout cassé. Dès que je clique en dehors de la fenêtre, ça casse tout. Ah, j'ai tout cassé, excusez-moi. Ça revient, j'ai juste tout pété de nouveau. Merci Otarix, merci beaucoup. Ah, rien ne marche. Ma vie est horrible. C'est vraiment, dès que je touche à un truc, tout explose. Attends, c'est peut-être parce que je suis pas en paramètres. Graphisme, mode plein écran, on va se mettre en... Oh putain, c'est pas... Foutez-moi la paix. Je veux... Voilà, sans bordure, s'il vous plaît, merci. Oui, c'est Windows 11. Alors. Ah, je me fais bolosser. Je vais encore crever. Je pense que je vais encore crever et ça va m'énerver. Si je crève, c'est fini. Si je crève, je me fais rembourser le jeu. Non, c'est faux. Je me fais pas rembourser le jeu. Mais par contre, je change. Parce qu'il faut être réveillé. Il faut être réveillé et plus réveillé que ce que je ne suis actuellement pour jouer à ce genre de truc. On se finira avec un Dago Picture. Attends, chou, oui. Mais en même temps, il faut que je fasse attention, parce que si jamais je fais tous les Dingo Pictures en stream, après, je pourrais plus jamais en faire en Club JDG. Ah, alors. Obtient un demi-cœur supplémentaire, multiplie les dégâts de l'arme par 1,2. Oh, je vais prendre le demi-cœur supplémentaire, à mon avis. Ah, dans ma tête, il allait remplir mes anciens cœurs, mais non. Alors. Tir de feu 2, équipé. Voilà. Ok, ah oui, d'accord, c'est à la place des tentacules. Mais en même temps, les tentacules, c'est pas si ouf. Bon. Quand faut y aller... Allez. Ça dit quoi? Ça, je peux les faire si je fais pas n'importe quoi. Il faut juste que j'apprenne à esquiver et à pas être débile. Genre là, par exemple, là je suis débile. Ok.
Alors, là, si je vais à gauche... Attends, là, je viens de là. Donc là, il faut que j'aille à gauche. Oh, ta gueule! Ok, je suis full en tentacules. Enfin, je suis full en énergie. Voyons. Alors, si je vais par là, il y a une arme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, approche créature, c'est par toi des brumes de je veux sonder ton âme. Je vois des siècles de tourments. Très bien, pourtant, d'accord. Une arme. D'accord. Donc là, je pense que ça veut dire que je peux. Alors, évidemment, on va pas prendre la hache de merde. On va prendre. Ah, mais il y a ça. Invoque depuis. Non, on va prendre l'épée. L'épée, c'est bien. Mais non. Non, prends l'épée. Voilà. Non, mais je suis trop nul avec les tentacules. Je préfère prendre l'arme qui est vachement moins bien là. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Ok. Là, il y a un truc, il y a une espèce de boss. Ah oui. C'est lui qui m'a one-shot tout à l'heure. Oula. Oh non! Ah, c'est littéralement Nier Automata. Ah non! Ah, je suis nul à chier, ça m'énerve, ça me... Je me dégoûte! Mais genre, je suis pas dedans! Ah, tu m'as énervé. Ok. Alors. Les baies, on s'en fout. Choix du plan, mais je peux pas le savoir. Je prends au hasard. Des carreaux, d'accord. Ah, et du coup, on peut se faire, d'accord, après, on peut jouer aux Sims, on peut jouer aux Sims avec Satan, là, ok, très bien. Ok, je comprends. Tu peux rouler à travers les attaques? D'accord, je sais pas. Ah, je savais pas. Ah oui, bah oui, c'est effectivement, ça va aider. Excellent, je ne me suis pas trompé en t'épargnant et en te disant porte-couronne, en te nommant porte-couronne. Je surveillerai chacun de tes mouvements. Ne me déçois pas. Donc ça, c'était le tuto, en gros. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Parler à Agra. Votre culte grandit, il est temps de lui donner un nom. Ah oui, bien sûr. C'est parfait pour finir là-dessus, là. Parallélisme. Faut que je mette le ou je peux juste mettre le nom? Le. Ok. Allez, voilà. Le parallélisme, ça sonne bien. Bien. Alors, parce que là, moi, j'aimerais... Voyons. Faire ça, et puis je vais déco là-dessus. Oh, trop bien. Oh, oh, vas-y, sauce-moi. Alors, attends. Oh, putain, arrêtez de chier partout. Là, il y a une nouvelle recrue, là, le petit lapin. Allez, on met au hasard.
Accepté, voilà. Et tu vas prier. On va tous les mettre à prier. Oui, toi c'est pareil. Oui. Toi c'est quoi? Attends, voyons, Naughty, oui. T'as quoi? Se soigne et moins 5 à la mort d'un adepte. Accepté. Et tu vas prier aussi. N'oublie pas de ramasser les cacas. Dans le jeu, dans le jeu. Alors, gagne de la force lorsque les meilleurs abris sont construits, ignore les rebelles qu'il faut les influencer, et moins de 10 fois en tombant malade. Très bien, accepté. Très bien. Alors. Là, normalement, j'ai atteint le nombre maximal de ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, c'est quoi? Je pourrais débloquer ça, peut-être. Culte 2. Nécessite le rang 2. Faut que je débloque ça, peut-être, non? Ah, faut que j'ai les 4. Faut que j'ai les 4 en dessous, très bien. Et ça, c'est quoi? Pack agricole. Il me nécessite une inspiration divine. Là, j'en ai assez, non? Attends, voir les améliorations. Ah non. Bon, ça marche. Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Décoration. Ah oui, du coup, là, c'est vraiment... Oui, après, c'est en jeu aussi, parce qu'en fait... Là, je peux vraiment mettre là... Ouais, c'est sympa. Le jeu est long. Bah, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai jamais fait. J'ai jamais joué à ce genre de jeu. Ok. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Enfin, on va s'arrêter là pour ce jeu, du moins. Je vais sauvegarder. Ok. Et je vais quitter... Putain, il fait tellement chaud. C'est pour ça, je vais, à mon avis... On va finir sur un truc... On va finir sur un... Sur un cartoon dingo, et je vais m'arrêter là après, parce que je meurs de chaud. C'est ultra étouffant, là, il fait 40 degrés dans ma pièce. Alors, j'ai deux PC allumés, j'ai les éclairages, c'est horrible. Vive la clim, bah ouais, vous avez la chance, mais moi j'ai pas ça quoi. 20 heures environ pour la durée de jeu. Bon, ça va. Zera l'a fini en 15 heures, d'accord. Voyons. Alors. Tum. Ok. Préparer ça. C'est horrible, j'ai des serveurs et des cartes qui chauffent les pièces du bureau. Ouais, non mais moi c'est pareil, il fait super chaud ici. Dingo Picture français. On a l'embarras du choix. Hein. J'espère que ça sera aussi drôle. Attendez, je vous mets ça. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Dinosaure. Pocahontas. Le roi lion. Balto chien-loup. Anastasia. Goldip, le prince de la forêt, je sais pas ce que c'est. Wabou, le raton laveur espiègle. Winnie dans de nouvelles aventures, quelque chose me dit que c'est pas le même Winnie. Les Dalmatiens. Dalmatiens 3. Les foot du stade, ah non pas ça. L'épée de Camelot, ça c'est un truc original. La souris détective, ça c'est Basile détective privé. Le bossu de Notre-Dame, bon est-ce que j'avais besoin d'expliquer? Toys, on l'a déjà vu. Baby le petit cochon, est-ce que c'est Babe? Le chat beauté. Moi mon cœur penche vers Pocahontas, je sais pas pourquoi. Je crois à un habile mélange de... un habile mélange de clichés... Choix cornélien. Non, c'est pas les tétons. Vous confondez avec Mando. C'est pas les tétons. Merci Peter. Merci Frex, Otarix, Jean Abdel, merci Cranien. Merci beaucoup. Salut DG, tu vas manger à Z20. Bah oui, désolé. Hein.
Aladdin, on l'a déjà fait. Aladdin, il y a littéralement une vidéo dessus. Alors, combien de temps ça dure ? 52 minutes, Pocahontas, au secours, envie de mourir. Le Seigneur de la Jungle, ça va être quoi ? C'est le livre de la jungle, bien sûr. 43 minutes. Le Roi Lion, hein, le plus grand des classiques. En vrai, le Roi Lion, 29 minutes. Mais je sais pas si ça, il sera drôle. Je sais pas. On l'a déjà vu, le Roi Lion ? Mais non. On n'a pas vu le Roi Lion. Ah, quoi que si. Non, t'as raison, on a vu le Roi Lion. On l'a regardé aux events, t'as raison. T'as complètement raison. Winnie, 41 minutes. Ça a l'air d'être ça a l'air d'être l'angoisse. Ça a l'air d'être chiant à crever. Hein. Attends, ils ont plagié le... Ça, c'est pas Winnie, ça. Ça, c'est pas dans Winnie, c'est dans Bambi, ça. Ah ouais, ils se sont dit... le mec, ils ont décalqué. Ils ont vraiment décalqué Pampan. Les Dalmatiens, c'est quoi ? 30 minutes, les Dalmatiens. Ça joue, non ? Ça a l'air épouvantable, les Dalmatiens. Il y a toujours l'oiseau bleu, bien sûr, évident. C'est... Les musiciens municipaux de Bremen. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh là là. Ah putain, il y a des images réelles. Attends. C'est de la VF ? Avait le droit de crier de 10h le matin jusqu'à 12h et l'après-midi de 3h jusqu'à 7h du soir. Là, ouais, c'est... Le choix de casting était pas ouf. Hein. Le choix de casting est pas ouf. C'est, on va pas se le cacher. Ah, c'est Gabriel Nat. Non, Gabriel Nat, t'es bien fait à côté. Lui mordre dans sa chambre. Tu vas lui donner des coups de... Faut finir les phrases, hein, monsieur. Alors, mon maître devra encore payer plus. Si j'aurais où aller, je serais déjà parti depuis longtemps. Alors, rappelez-vous, c'est le doubleur d'Aladin. Rappelez-vous, c'est le doubleur d'Aladin que visiblement ils ont fait revenir parce que Aladin s'était fait tôt dans les années 80, enfin c'était fait pendant les années 90. Là, c'est visiblement quelque chose qui est sorti en 2005. Donc ils ont rappelé le doubleur d'Aladin qui ne sait pas plus parler français qu'il ne savait pas parler à l'époque d'Aladin et qui visiblement a le même âge parce qu'il a toujours la voix d'un enfant de 11 ans. Je pense savoir quelque chose. Que sais-tu faire ? Rien, sur mon crier. Ça, je sais très bien faire. Eh bien, tu vois, tu sais faire quelque chose. Ok, alors, les musiciens municipaux de Bremen, c'est quel Disney exactement ? Excusez-moi, il y en a que j'ai pas vu, hein, donc je demande. Est-ce que vous pouvez me dire quel Disney c'est ? À quel Disney ça correspond ? C'est pas un Disney. Ouais, j'ai l'impression. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Le bossu de Notre-Dame, c'est quoi ? 51 minutes, assez long. Assez long, moi j'ai pas la patience. Hein. Moi, je vous aime les enfants, mais... Je vous aime, mais pas pendant 51 minutes. Le chat botté. 29 minutes, le chat botté. Attends. Bon, on va voir si vous êtes aussi malin que vous le croyez. J'arriverai bien à attraper l'un d'entre vous. Oh putain, ils ont décalqué Bambi, ils ont décalqué Pampan, ils ont des... Non mais ça c'est illégal. Là c'est les avocats de Disney, ils frappent à la porte là. Quelle animation incroyable. Je l'avais bien dit. Voilà, fin. Attends.
Chez le roi, il te salue bien et te remercie mille fois. Bon, il faut faire un choix. À un moment donné, il faut faire un choix. On peut pas goûter à tout. Hein. Pocahontas, ça fait quoi, 50 ans ? Attends, laisse-moi rêver, Pocahontas. Wabu et Piri avaient compris. Pocahontas était amoureuse d'un visage pâle. Parce que ça nous et promet, il ne savait plus vraiment quoi faire. Laisse-la, dit Piri. On peut la surveiller de loin. Je crois qu'elle a besoin... Attends, je veux voir John Smith. Excusez-moi, je veux voir John Smith. Je fais un aparté, 2 secondes. Ces vieilles histoires n'intéressent personne. Tu as raison. Il y a d'autres choses beaucoup plus à trouver d'ici, maintenant. Il est là. Ils veulent vivre en paix. Ce sont de braves gens. Tu ne dis pas la vérité, répondit-elle. Nous savons que vous avez donné une récompense pour chaque Indien tué. N'est-ce pas ça la véritable vérité ? Tu parles de ceux qui sont venus chercher de l'or ici. Pour eux, la vie d'un homme n'a aucune valeur. Et je n'aime pas... Ah, là, il parle à la troisième personne, là, visiblement. Bon, vas-y. On se met... je sais pas... Winnie, c'est 41 minutes. Les Dalmatiens, c'est quoi, là ? Allez, 30 minutes. Allez, les Dalmatiens. Allez, c'est parti. Parce qu'en fait, vous dites que vous voulez les musiciens, mais vous allez regretter. J'ai 10 secondes d'avance. Vous devez tous compter jusqu'à 5. Attendez, je mets en 720p, là, pour un maximum. Quoi, mes gens mignons, hein? Qui crut que pastille? C'est celle avec les taches. Les miettes, ça c'est le brun. Ferait un jour des petits ensemble. Tout petit, on peut pas dire qu'ils s'aimaient beaucoup. À l'époque, les petits frères de Pastille, Toby et Timmy, habitaient encore ici. Tu vas parler comme ça pendant 30 minutes, mec? Et ils faisaient beaucoup souffrir Miette. Mais un beau jour, tout allait changer radicalement. Le son est trop bas. Le son est à fond, littéralement. Le son est littéralement à fond. Ah putain, c'est reparti. Je peux jouer avec vous ? Non, pas maintenant, on joue à chat perché. C'est pas pour toi. Tu pourras quand même pas nous attraper. Mais je veux jouer. Je peux ? Bon, d'accord. Ça m'est égal, ça c'est ton problème. Escargot va... Ok, alors déjà, ce n'est pas un dalmatien. Hein. Oh, vous devez m'attraper. J'ai 10 secondes d'avance. Vous devez tous compter jusqu'à 5. Mais t'avais dit que... Oui. Vas-y, pastille, je compte. 1... 2, 3, 4, 5. Alors, ils sont pas 101 normalement. Parce que là, j'en vois 3, moi. Il y a. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hé, attendez! Ouais, ils auraient pu m'attendre quand même. C'est même pas drôle comme ça. Petite phase d'action, là. Miette me faisait presque pitié. Pour une fois qu'il pouvait jouer avec les autres. Le revoilà tout seul. Et étant de nature plutôt curieuse, je ne m'en inquiétais plus. Il me fallait savoir où s'en étaient allés les autres. Et qu'est-ce que c'est que cette musique qu'on entend en fond ? Il y a des enfants qui pleurent, des gens qui rigolent, des trompettes. Arrête, laisse-nous tranquille. Deux petits dalmatiens ne sont-ils pas adorables ? Attendez, il a presque une bonne voix. Lui. Il a presque une voix qui est hoquetière en vrai. Juste assez. On les emmène. Les emmener, tu es fou, je préfère mettre mes crocs dans leur drôle de pelage. Pas question, on les emmène. Tous les deux, à quoi peuvent-ils nous servir? Coller des étiquettes sur les boîtes pour chiens, je suis sûr qu'ils lèchent très bien. Montrez pour voir. Parfait, excellent. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai, mon cerveau, il a déconnecté une seconde, j'ai compris, je sais pas comment. Suivez-moi. Il n'y avait personne pour les aider. Sauf moi, mais par principe, je ne me mêle pas de ce genre d'affaires. J'étais curieux de voir ce que ferait Pasty quand elle constaterait la disparition de ses deux frères. Ce que j'adore le plus dans les Dingo Pictures, c'est ces longs moments de silence où soudainement il ne se passe plus rien pour aucune raison particulière et c'est juste un peu gênant, tu sais, c'est les moments un ange qui passe quoi. Je m'en suis bien débarrassée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils ont peut-être quand même laissé jouer Miette avec eux. 11, 12, 13, 14, 15. Mais qu'est-ce qu'il y a, un syndrome d'Asperger ou. Enfin. pourquoi tu comptes comme. 16. Il devrait quand même arriver maintenant, bizarre. 11, 12, 13. Non, ça tu l'as déjà dit, ça. Et oui, on a un talk, ouais. Où sont-ils passés? Ils sont partis trop vite après toi. J'ai crié pourtant qu'ils devaient m'attendre, mais bon, ils l'ont pas fait. C'est vraiment pas juste tout ça. Et où ils sont maintenant? J'en sais rien, moi. Ils sont disparus, partis. Ils peuvent pas avoir disparu comme ça. Ils se sont sûrement cachés. J'en crois rien. Bien sûr, viens, je t'aide à chercher. À la conviction est à zéro. Mais vraiment, c'est on a vidé la conviction, on l'a jetée dans le lac, y a rien quoi. C'était Miette tout craché. Pas du tout fâché contre Pastille. Il aurait tout aussi bien pu la laisser. Est-ce que c'est pas vraiment la pire voix de, que tu peux donner à un narrateur? Laissez-moi vous conter l'histoire de Pastille et de son ami. Alors il se fourche. Est-ce que c'est pas vraiment la pire voix que tu pouvais donner à un narrateur? Qui est toute seule, elle ne se gênait pas avec lui. Alors surtout si vous trouvez ce sample de musique, je vous en supplie par pitié, envoyez-le moi. Ils ne sont pas passés par ici. Où pourraient-ils bien être? Non, Miette, laisse ça et viens avec moi maintenant. Ouais, mais je peux quand même faire un petit pipi, non? Ok. Ok, bro. Eh oh, tu veux bien arrêter, dis? Quoi? Il est venu pisser dans sa gamelle? Je suis le seul autorisé à faire ça ici, compris? C'est bon, je pouvais pas savoir. Et toi, qui tu es? Miette. Tu vas quand même pas lui faire la causette. Alors, au passage... Oh merde, désolé. Au passage, c'est évidemment les décors... Les décors complètement recyclés du passage à dans Toys où ils sont dans la décharge. C'est exactement les mêmes décors. C'est bon. Le passage où ils trouvent Maïté. Oh, mon petit, je trouve à les jouer. Et toi, qui tu es? Miette, tu vas quand même pas lui faire la causette. Allez, viens. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes tous copains? Aïe, aïe, aïe. On est le gang des chiens de rue. Je suis le chef. Freddy, mon pote. Oh salut, putain, lui, c'est le cool kid. Le clochard. Je me présente, Fleur, le comptable. Moi, c'est Vera Labelle. Et moi, c'est Butcher. Ça veut dire boucher. Et super, vous auriez pas besoin d'un coup de main dans la bande? Pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on s'amuse. Ils ont un comptable. Hein. Ils ont un chien comptable. Vraiment, je peux? Bon, eh ben, moi je m'appelle Miette. Miette, ouais, je comprends pourquoi. Arrête tout de suite, Butcher. Oh. Allez, viens, Miette, perds pas ton temps. On doit chercher Toby et Timmy. Qui c'est ça, Toby et Timmy? Ce sont les frères de Pastille. Et ils ont disparu et j'ai promis de l'aider à les trouver. Miette! Désolé, mais promis, c'est promis. Comme tu veux. Tu connais un peu le coin? Pas vraiment, pourquoi? Ce sera pas facile sans aide. Allez, bonne chance quand même. Repos, marche. Oh putain.
Ah, c'est Disney. Hein. Là, c'est... On est dans... Ils étaient sympas, hein. Là, c'est littéralement les animations de Disney. Hein. Bande de vauriens. Allez, viens. Mais je pouvais me joindre à eux. Oh, tu veux dire ça? Si tu m'aides à trouver Toby et Timmy, je te promets que tu pourras toujours jouer avec nous. Promis? Parole. Ah, et une fois de plus, elle lui impose sa volonté. Non, au début de sa phrase, il y a marqué « Nyeh ». Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? C'est un furet? Mais t'inquiète, c'est qu'un rat. Il te fera rien. Ok. J'ai peur, Miette. T'inquiète, reste près de moi. Il ne t'arrivera rien. En fait, de ce que je comprends, c'est le chien marron, c'est un peu le, c'est le mec de la street. Et la petite chienne, là, c'est la petite blanche effrayée qui a peur de tout le monde dans la rue, là. Ouais, le chien, il est en mode t'inquiète, frère. Tu crues? Miette prend les affaires en main et Pastis se cache derrière lui. Ça alors? Ouais. Tu sais, ils avaient pas l'air de vauriens vraiment. Tu veux dire qu'on devrait aller les retrouver alors? Oui, ils connaissent bien le coin. Ils voudront peut-être nous aider à retrouver Toby et Timmy. Je veux bien les payer, moi. Les payer? Pas besoin. Je suis sûr qu'ils nous aideront avec plaisir, même sans les payer. Il va ressortir. De nouveau, 3 minutes de voyage. Et là, les chiens, ils arrivent à la décharge. Eh ben non, m'a fait mentir. Allô? Y'a quelqu'un? Mais si c'est pas notre Miette? T'as changé d'avis? Tu veux te joindre à nous? Si je peux encore. Bien sûr, on te fera une place. Et Pasty, elle peut rester aussi? Moi, je sais pas si elle est à sa place ici. Je vous donnerai de l'argent si vous m'aidez à retrouver... Est-ce qu'on va voir Cruella à un moment donné ou est-ce qu'on va juste tous aller se faire foutre là? Je crois qu'on va tous aller se faire foutre. Hein. Je crois que le seul point commun avec les Dalmatiens, c'est qu'il y a un chien qui est un Dalmatien en fait. Nous payer, si tu veux nous insulter peut-être? Mais je voulais seulement... Elle a encore beaucoup à apprendre, ta copine. Elle est bonne à quelque chose, au moins? Faire des cumulets. Des cumulets? Des cumulets? Oui, regarde. Youhou! Youpi! Oh, bravo! Bravo! Ok, elle peut rester. Il me faut leur nom, date de naissance, etc. Hein? Fais-lui ce plaisir, autrement Monsieur Clark sera très malheureux. Il imagine qu'il doit tout écrire. C'est une vraie manie. Si ça peut lui faire plaisir, allez, pastille. Ouais, c'était réglé. Il était grand temps car j'étais à nouveau malade de curiosité. Il me fallait savoir à tout prix ce qui se passait du côté de Toby et Timmy. Ah putain, j'attendais le coin de fin. Ah, j'ai envie de mourir. Lécher, coller, lécher, coller, lécher. Attends, on a changé de vidéo là. Continuez. Hey. Ah d'accord, le Doberman il les a emmenés bosser dans une usine. Oh ça va, il est plutôt cool, il leur a filé un taf là. Continuez, lécher, coller, lécher, hey. Qu'est-ce que c'est? J'ai soif moi. C'est alors... inattendu, c'est le mot, c'est inattendu. Voilà, je pensais pas qu'il les amènerait dans une usine de timbres pour leur faire lécher des timbres et les coller, c'est... Tu veux peut-être en régler, hein? Non, s'il vous plaît, ça va mieux maintenant. Parfait! Lécher, coller et lécher, coller! Continuez, lécher! C'était un peu ainsi que je me l'étais imaginé. Non! Seulement un peu... Bah t'es le seul, vraiment, putain! Moins grave. Quoi? Attends, il a dit... Seulement moins grave? Je me l'étais imaginé. Seulement un peu moins grave. Bien, tes pastilles devront se dépêcher s'ils veulent secourir ces deux-là. Ça n'a aucun sens, j'adore. Ils n'avaient pas l'air de chercher et je ne pense pas qu'ils étaient vraiment pressés de s'y mettre.
Ah, alors deux potes qui se sont fait kidnapper, le narrateur il fait bon, ils s'en foutent. Visiblement, ils s'en foutent un peu là. Maintenant, allez, viens. Je pensais qu'on allait chercher Toby et Timmy. Oui. Tu as raison. Ils avaient déjà réfléchi comment. Ah, ok, ils avaient juste oublié. C'est. Et c'était en mode. Ah putain, c'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on cherchait. Vous pourrez trouver les frères de Pastille. Vous alliez nous aider, non? Oui, bien sûr. Je pensais que vous vous amusiez. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, ah, deux d'entre nous vont faire des recherches. Chacun prend deux rues. Cherchez bien, regardez partout et interrogez comment tout le monde. Demandez à tout le monde, même à ceux qui peuvent pas me voir en peinture. Tout le monde donc. Ok, qui commence? Moi. Et moi. Et moi aussi, hein. Je vais déjà avec Freddy. Et moi avec Vera. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, il faut toujours qu'on te surveille. Oh, c'est pas vrai. Salut, Pastille. Un peu de patience et on te ramène tes frères. Je l'espère. Trouveront jamais. Franchement, je pense que ça doit... Regarder ça avec un pétard dans la tête, ça doit être un truc de fou. Bien intéressant. J'étais curieux de savoir si elle trouverait la trace de Toby et Timmy. Oh putain, musique d'angoisse. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle poursuit un chien? Mais les mecs, ils arrivent pas à se concentrer sur le scénar plus d'une seconde quoi. Ils étaient partis chercher les deux chiens, ils sont en train de poursuivre un chat là. Miaou. Oh là là, déjà si tard. Ah ouais. Le fameux minaret avec la cloche d'une église. Essayez de chercher les deux petits. Faut le dire à personne. D'ailleurs, s'ils avaient été là dans cette rue, on les aurait vus, même sans chercher. Ok, t'avais rien à dire. Hé, hey, on est de retour. Et vous les avez trouvés? Non, désolé, mais ils sont sûrement pas dans notre quartier. Oh, tant pis. Demain, on essaiera d'autres rues. Allez, allez, Pastille. Ça aurait vraiment été une chance de les trouver dès le premier jour. C'est bon, je vais donner... Vous avez même pas essayé, en vrai. En vrai, vous avez même pas essayé, vous avez poursuivi des chats, et vous vous êtes poursuivi entre vous. Mon exemple, demain, c'est moi qui cherche. Je viens avec toi, et boss. Non, Trump vient avec moi, d'accord, Trump? Okidoki, boss. Ils ne trouveront jamais Toby et Timmy. C'était plus rigolo, celui où il savait pas parler français. T'es prêt, Trump? On y va. N'aie pas peur, Pastille. Aujourd'hui, on te ramène certainement tes petits frères. Si personne veut de moi... Vous savez que j'ai vu une théorie qui dit que plus vous regardez des choses cringe, plus vous êtes immunisé à la gênance en vrai. Donc finalement, prenez ça, là, ce que vous êtes en train de vivre, là, comme un travail sur vous. J'irai chercher tout seul. Je me moque de leur plan. Je cherche là où je veux, comme ça personne me cassera les pieds. Là, j'en serais pas si sûr. Butcher a de bonnes intentions, mais il n'est pas le plus malin non plus. J'ai décidé donc de suivre Boss et Trump, et cela me semblait avoir plus de sens. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, putain! Mais arrêtez de poursuivre des chats, c'est pas le scénario, putain! Ça me rend fou, c'est pas ça que vous êtes censé faire. Oh. J'en avais assez vu. Mais les t'as rien... recherches n'apporteraient pas grand-chose aujourd'hui. J'ai décidé d'aller voir ce que fabriquait Butcher. C'est littéralement une semaine où il se passe rien. C'est les mecs, ils oublient ce qu'ils font. Let's go, les saucisses de chez Aldi, là. Tu veux bien laisser ce sac? Pourquoi tu caches cette saucisse dans un sac? Pourquoi tu la manges pas tout de suite? Elle n'est pas à moi. Allez, va-t'en! Et pourquoi tu te mets au soleil? Tu dois pas travailler? Dis-moi. Qu'est-ce que c'est toutes ces questions? Tu joues au flic?
Et pourquoi tu conserves les saucisses? Tu fabriques pourtant des boîtes de conserve à l'usine. Cette saucisse, c'est pour Pollux. Le chien, il arrête pas de se téléporter. Hein. Si vous remarquez, il a été au sol, sur le truc, puis redonne au sol. Il mange pas les conserves. Et avant que tu poses encore une question idiote, il a pas le temps d'en chercher. Parce qu'il doit travailler. Ouais, Pollux au boulot, hein. Il travaille jamais. Il laisse toujours les travaux durs aux autres. Hein. Exactement. Il fait faire le travail par mes ouvriers. Moi-même, je ne travaille pas. Est-ce qu'on peut revenir au scénario, là? Travailler les autres. Pas mal. Bien sûr. Pollux surveille le personnel. Et s'il ne travaille pas... On dirait un échange entre deux joueurs dans un jeu de rôle, mais où les joueurs ne savent pas quoi dire. C'est dur. Comme les deux nouveaux Dalmatiens. Il leur fait faire sentir. Et maintenant, fous-moi la paix. Faire travailler les autres. C'est vraiment, on est dans... on dirait certaines scènes dans RPZ, ouais. Et raconte ça aux copains. Oh là là. Et Butcher n'était pourtant pas le plus malin. Vous ne les avez pas trouvés? On a ratissé de rue, mais pas vu de petits dalmatiens. Pitié, il faut avancer là. Ça n'avance pas. Le temps ralentit. Attention, c'est une émotion. Attention, vous êtes prêts? Fais un peu attention, idiot. Ouais, on aura jamais rien ici. C'est bon, Butcher. Tu as trouvé quelque chose? Ça t'apprend qu'il a la cataracte, qu'il y voit plus rien, comment, hein? Ouais. Quoi? Ça m'étonnerait. Castor passe tout son temps à se prélasser au soleil. Ouais, et quoi d'autre? Il avait un sac avec de la saucisse dedans et il voulait l'emporter chez lui. Vous entendez? Comme je dis toujours, il faut pas tout manger tout de suite. Il faut mettre de côté... Le scénario, je vous en supplie, le scénario. Concentrez-vous. Focus. Pour plus tard. Ridicule. Un chien qui garde une saucisse pour plus tard, c'est impossible. On s'en fout. Mais arrêtez de vous disputer. Bon, allez, continue, Butch. Eh ben, comme je disais, Castor avait une saucisse. Et quand je demandais pour qui était la saucisse, il a répondu pour Pollux. Et alors, t'en fais des histoires parce que tu as découvert que Castor et Pollux n'aiment pas leur propre nourriture en boîte. Il y a longtemps qu'on le sait, hein? Viens, Miette. Castor et Pollux, vous avez compris? Cherchez Toby et Timmy. Mais Pollux ne reçoit les saucisses que parce qu'il doit surveiller le personnel. Ils ont des ouvriers maintenant. Et depuis peu, deux Dalmatiens. Quoi? Mais c'est comme ça qu'ils font la liaison? Le mec. Cette liaison! Où ils sont passés par Strasbourg, Berlin, Cologne, Moscou, mais pour faire juste par. Oh putain. Non mais attends, vous avez pas compris? C'est qu'en fait. Ils sont arrivés en me disant « Oui, il a fait des saucisses, parce que les saucisses, elles gardent à l'extérieur, alors que normalement, il a un chien, la saucisse, il devrait la manger maintenant, et pourtant, le chien... » Parce qu'en fait, les saucisses, c'est pour les emplois... Enfin, c'est vrai, la saucisse, c'est à l'extérieur, normalement, ça se met dans le froid, il faut mettre le frigo, il faut mettre la bac à légumes, et à la fin, ils font juste « Oui, c'est parce qu'en fait, c'est pour nourrir leurs ouvriers, c'est deux Dalmatiens. » Et genre... commencer par là... Mais là, ils sont en impro, c'est pas possible. Deux Dalmatiens? Deux petits Dalmatiens? Oui, c'est genre les seuls de la ville. T'sais, ceux qu'on cherche, là. Attends. Exact. Comment tu sais ça? Il avait dit que Pollux devait rosser les petits Dalmatiens. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Scène d'action. Oula. Attends, poursuite. Reste ici. Si Pollux surveille les petits frères de Pastille, on n'entrera pas comme ça. Ah non, pitié. Petits frères de Pastille? Comment ça? Qu'est-ce que tu peux être bête? Incroyable! Mais finalement, Butcher a quand même compris. Je les ai trouvés. J'ai trouvé Toby et Timmy. Je suis pas un idiot. Non, Butcher, tu n'es pas bête. Il faudrait établir un plan. Un plan, ouais. Bonne idée. Je suis en train de perdre des neurones, moi aussi. Hein.
D'abord, il faut découvrir comment sont gardés Toby. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir ensuite planifier la deuxième phase. Pourquoi je fais ça? C'est-à-dire la libération. Exactement. C'était à devenir fou. Ils se mirent à parler si doucement que je n'entendais plus rien. À devenir fou. Je pense que c'est à bon devenir fou. Tu es formidable. Ouais, le mieux, c'est que j'aille à l'usine. Castor et Pollux ne me connaissent pas encore. Monsieur Fleur vient avec moi, il a toujours le nez dans des bouquins. Lui non plus, ils l'ont encore jamais vu. D'accord, si tu le dis. Fais bien attention, Miette. Sachez que si vous... Courage. Faites ce que vous voulez après, mais sachez que si vous partez avec la faim, il risquera d'arriver quelque chose à vos familles. C'est un prince nigérien qui me l'a dit. Vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. Et de donner la vidéo à 10 personnes. Bibi, je voulais savoir quel était le plan de Miette. Il essaye même plus. Le narrateur, il essaye même plus. Il est en mode quoi ? Il y a une vieille merde qui traîne. Il y a un vieux museau qui traîne sur le côté, là. Au-dessus de ma caméra, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Le chien, il s'est téléporté. Tire-toi, c'est un terrain privé. Que dites-vous ? C'est comme ça que vous traitez les clients ? Nous venons de Perpignan pour acheter des conserves pour chiens et nous voulons voir comment vous... Ok. Nous venons de Perpignan. C'est vraiment, je m'attendais pas à entendre ça là-dedans. Voyez. Viens, on s'en va. Je vais quand même pas me laisser traiter de cette façon. Et attendez, revenez, c'est un malentendu. Je me ferai un plaisir de vous faire visiter toute l'usine. Bon, ok. Puisque de toute façon, on est quand même là, alors. Par ici. Oh là là, regarde, t'as vu ça? Si j'étais plus grand. Tout est presque automatisé ici. Quelques ouvriers nous suffisent. Plus vite, on ne dort pas ici. Vous voulez que je vous roste, c'est ça? Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous n'avez pas peur qu'un jour, par exemple... Croyez que c'est une dénonciation du capitalisme, genre? Croyez qu'il y a un truc comme ça derrière? S'enfuit? Impossible! Système d'alarme! Très intéressant! Vous pouvez nous dire comment ça marche? Ou bien c'est un secret? Mais non, pas du tout. Dans le sol devant vous, il y a des senseurs invisibles. Si quelqu'un passe dessus, un filet géant tombe du plafond. Oui, bien sûr. Non, personne ne s'est jamais échappé d'ici, où je vous assure. Ouais, c'est ça. Les fameux senseurs invisibles, ouais. Aïe, c'est pas l'idéal. Dites, vous auriez quand même pas pitié de ces deux-là, non? Non, pas du tout. Je me demandais seulement... Mais comment pouvez-vous... Il est en impro, ils savent plus quoi dire, ils ont plus de script. Je pense qu'ils ont perdu le script. Ils l'ont perdu depuis 10 minutes. Ils sont en train d'improviser ce qui se passe. Là. Système d'alarme. Vous ne voulez quand même pas être fait prisonnier quand vous passez là? Ça, c'est réglé à partir de l'armoire là-bas. Je n'ai qu'à taper le code secret, 6 chiffres, et l'alarme est arrêtée ou activée comme on veut. Combien de fois vous pouvez vous tromper? Pas une fois. À la première erreur, l'alarme se déclenche. C'est parfaitement réglé, ça. Mais parlons affaires. Faites-nous une offre pour, disons, 1000 boîtes par mois. 1000 boîtes par mois? Mais on va vous faire ça tout de suite. J'en peux plus. Ce n'est pas nécessaire. Nous restons quelques jours en ville et reviendrons, disons, j'en peux plus, jours, tout... d'accord. C'est ils sont tous à deux doigts de la mort, les doubleurs, quoi. Par mois. Et lécher, et coller, 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 et lécher. Je me sens mal physiquement, moi aussi. Ah, c'est la musique triste. Qu'y a-t-il, Miette? Tu les as vus? Ils vont bien? Non, on est vraiment sur un level Star Wars spécial. Pas bien du tout. Tournez-coller, tournez-coller, tournez-coller. Enfin, voilà ce qu'il en est.
et Monsieur Fleur racontent tout. Ils n'avaient jamais vu des chiens aussi tristes. Oh, je sais pas ce que je leur ferais. Ils ont pas des parents, ces chiens? Il y avait pas des parents au début du film? Plus. On va rosser Castor et Pollux, puis on libère les deux petits frères à pastille, hein. Oui, ça va, toi. Et l'alarme, alors? On peut pas l'arrêter nous-mêmes? Le code secret est composé de 6 chiffres, et on peut essayer qu'une seule fois. C'est statistiquement impossible de trouver la bonne combinaison. Je veux vraiment savoir. Là, maintenant, je suis curieux de savoir comment ils vont faire. Et si on passait très prudemment au-dessus de ces senseurs? Même si on se faufile, on est trop lourd. Et sûr que quelqu'un passera dessus. Oui, toi! Pourquoi moi? On n'arrivera à rien comme ça. Je propose qu'on réfléchisse cette nuit et on verra comment faire demain. Il ne pense à rien d'autre qu'à parler à dormir. Lâche! Mais je trouverai bien quelque chose. J'avais un pressentiment et en effet, lorsqu'ils dormirent tous, Pasty se mit en route. Waouh, ombre chinoise. Ils ont pensé à tout, quoi. Incroyable. Vraiment, cette scène d'action, là. Incroyable. Ça prend du temps, hein. En même temps, c'est loin, hein. Donc, faut tous voir. Tout le trajet, là. Mais elle va passer au-dessus de l'alarme, du coup. Toby! Timmy! Oh, merde. Qui voilà? Encore un gentil petit chien à poids. Deux, cinq, trois, sept, quatre, neuf. Et ils appellent cela un code secret, mais celui qui a un peu de tête, ben pour lui c'est un simple calcul. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Tu tombes à point, les deux autres tiendront pas le coup longtemps, tu es frais, toi. Dépêche, avec les autres. Pasty, ils t'ont aussi attrapé, toi? Toby, Timmy. C'est ça, faites la fête. Demain matin, au boulot. Ça, en quoi c'est un calcul? Attends, si c'est le narrateur qui leur donne le code, là j'en peux plus. Et quelqu'un a un plan? Ouais, c'est pas évident. 4, 5, 6, 7, il manque quelqu'un. Pasty n'est pas là. Oh non, c'est pas vrai. Elle est certainement partie chez Toby et Timmy. Où il va comme ça? Butcher, reviens. Ok, un petit côté hip-hop là. Il veut aussi se faire prendre, parce que Pasty l'a regardé gentiment, il joue les chevaliers courageux. Et voilà les problèmes. Il nous faut non seulement délivrer Toby et Timmy, mais très probablement aussi Pasty et Butcher. Les gars, à l'attaque. Aïe, maintenant ça se corse. Ça se corse. Castor, nouvelle musique. Non mais ça alors, mais qui voilà? Où sont Pasty et Butcher? Qui? Ou tu veux dire les deux voleurs qu'on a attrapés hier soir? C'est pas des voleurs. Libère-les sur le champ ou alors... Alors quoi? Et Pollux, viens ici. Ils veulent récupérer les voleurs d'hier. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'ils viennent les chercher. À l'attaque! Mais attendez, tout le truc avec le code... Pendant ce temps-là... Pasty, Butcher, n'avance pas, Miette. Le système d'alarme, hein. Et maintenant? Il nous faut le code. Oui. Et Miette, que fais-tu? Ouais, je tape quelques chiffres, et puis on verra bien. T'es fou! Que pouvais-je faire? Attention. Je ne pouvais pas regarder sans rien faire alors qu'ils étaient en danger. Ok, c'est le narrateur qui tape le code. C'est quel mur que t'exploses, là? Quand le narrateur intervient directement dans ton histoire pour taper le... Il connaît la combinaison. Arrête, Miette.
Yeah, tu as réussi. On est fort, hein. Butcher. Vous m'avez sauvé. Vous m'aimez quand même alors. Mais c'est trop, c'est trop, c'est trop, putain. Comme j'avais décidé de les aider, je devais continuer. Bon ouais, bah fais ton plaisir, hein, je veux dire là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Allez. Qu'est-ce qu'on fait d'eux, chef? Laisse-les là avec leurs cris. Il y aura bien quelqu'un qui finira par les libérer. Mais pas nous. Je veux dire, oui, tant qu'à faire, bah, si le narrateur il peut intervenir comme ça, oh, vas-y, hein. Ah, le scénario, il est en béton. Hein. On finit par le traditionnel très long moment de retour, hein, classique des dingos. Maintenant, vous allez tous bien manger, hein. Ils veulent pas des os, ils veulent de la vraie viande. Mais non, regarde-les, ils veulent dormir. Demandons-leur parce que... Moi, je dirais qu'ils veulent retrouver leur famille, mais après, c'est... C'est mieux que tout autre. Je ne sais pas où elle est. Et Miette n'est pas là non plus. On a quelque chose à vous dire. Oui, et bien voilà. Oui, vous savez qu'avant, je m'entendais pas très bien avec Miette, mais depuis... Enfin, pour résumer, je rentre à la maison avec Pastille. Et quand Toby et Timmy iront mieux, elle et moi, on a décidé de se faire un petit nid douillet. Hein? C'est déductible des impôts. Je viens avec vous. Hein? Pardon? Qu'est-ce qu'on attend? On va faire la fête, les amis. C'est pas des enfants? Ouais, c'était comme ça, ouais. Et en y repensant aujourd'hui, je me dis... C'était pas bête que je me sois mêlé de leur histoire, hein. Quoi? Bizarre Perpignan. Bizarre Perpignan. C'est le what the fuck, mais total, la fin. Ah, le nid douillet déductible des impôts, le narrateur qui fait « Ouais, bon, bah, finalement, j'ai bien fait de m'emmêler. » De quelle année ça date? Je sais pas, ça sera jamais assez vieux pour mériter ça. Ouais. Putain, 97, hein. C'est après le Roi Lion. C'est après le Roi Lion. Hein. C'est après Hercule. C'est après Hercule de Disney. Bof. Bon, moi j'ai perdu quelques neurones. Merci Plexis Ego pour les 2 mois. Merci Léag, Tyler Darden, Alkis pour les 28 mois. Merci beaucoup Satergy. Merci Nestab. Ula Euria Delta 1944 pour les 6 mois, merci à Ethel. Draidomero, merci pour les 5 mois. Xnor, merci. Allez, écoutez. On se voit dimanche, hein. Ça suffit. Hein. Moi je me casse. Hein. je dois digérer. Je dois penser à ce que j'ai vu. Je dois réfléchir à ce que je viens de voir. Merci à tous, des bisous, salut à tous et bonne soirée. On se voit donc dimanche pour le stream du dimanche classique. Alors on commencera comme d'habitude par une heure de tranquille discussion. On enchaînera sur une OP parce qu'on a en OP sur... on a en OP dimanche sur... J'ai plus rien dans ma tête, c'est ce dessin animé à chasser de ma mémoire. Je crois que j'ai oublié le nom de ma mère en vrai. On se voit sur ces quel jeu, vas-y j'ai oublié putain. Two Point Campus, c'est vrai. Je crois que ça a mis trop d'informations dans mon cerveau et ça a chassé une partie, tu vois, ça a effacé une partie de ma RAM, tu vois. Terrible. Ouais, dur. Bon, on se voit dimanche du coup pour une OP sur Two Point Campus et derrière, donc, on finira par une anecdote comme d'habitude. Merci à tous. Une petite dernière. Non, c'est hors de question. Vraiment, même si j'avais un couteau sous la gorge, je te dirais non. Des bisous, salut à tous, à dimanche, je vais vous laisser en compagnie de... Voyons...
Voyons. Je regarde qui est présent. Ouais, je vais vous envoyer chez Maillard. Hop. Allez. Merci à tous. Des bisous. Salut. Bonne soirée. À dimanche. Ciao. We'll be right back.